Bienvenue à tous pour cette table ronde des SEO comme les autres. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est le lundi 8 mars et que c'est la journée des droits des femmes. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a décidé de faire ce webinaire pour vous présenter des femmes que vous connaissez, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qu'on va vous faire découvrir, qu'elles nous parlent un peu de leur parcours, qu'elles nous parlent de leur expérience, des formations, etc., etc. Donc, je vous laisserai découvrir le programme tout à l'heure. Et là, pour le moment, je vais vous parler de deux associations qui sont à suivre par rapport à cette journée et par rapport aux actions qu'elles font pour les femmes. Donc, il va y avoir l'association Révèle qui propose depuis 2013 des programmes d'aide à l'orientation innovant à destination des jeunes femmes des milieux modestes. Donc, ça, c'est une association en fait qui prend beaucoup de mentors femmes et qui vont aider des jeunes filles qui sont dans les milieux modestes à trouver des emplois dans la tech, dans le web, ou pas forcément d'ailleurs dans la tech ou dans le web, mais voilà, qui les aident un petit peu à s'insérer dans le milieu professionnel. Il va y avoir aussi l'association Starter qui donne de la visibilité et suscite des vocations tech et entrepreneuriales chez les jeunes filles. Donc, elles organisent des événements, elles publient du contenu. Donc, je vous invite à aller voir cette association-là qui est très importante aussi pour permettre à toutes les jeunes filles et jeunes femmes de se renseigner et de se former sur les métiers de la tech et du web. Je vous parle également de l'enquête emploi 2021. Il est encore temps de répondre à cette enquête. On a 32% de femmes sur les 500 personnes qui ont répondu à cette enquête-là. Donc, si vous êtes une femme et que vous n'avez pas encore répondu, je vous invite à répondre. Si vous êtes un homme également, il y aura un tirage au sort qui sera effectué le 26 mars en live dans l'actu hebdo. Et ce tirage au sort, en fait, il vous permet de gagner une place pour le prochain SEO Campus Paris. Donc, la place, c'est environ 400 euros. Donc, on vous invite vraiment à participer à cette enquête. C'est très important puisqu'elle nous permet, nous, après, d'établir des chiffres clés sur le métier de SEO et sur un petit peu le portrait du SEO type en France. Les prochains événements en ligne du SEO Camp, il y aura le jeudi 22 avril, ce sera le SEO Green Camp. Donc, ce sera un événement orienté green, écologie, mais pas que. On va parler tips, on va parler SEO, on va parler web marketing. Donc, on vous invite à vous inscrire prochainement à cet événement-là. Toutes les informations seront disponibles sur le site du SEO Camp et sur les réseaux sociaux. Il y aura le jeudi 19 juin pour vous permettre de partir en vacances sereinement. On organise le SEO Summer Camp. Donc là, ce sera un événement en ligne également avec des tips et des bonnes pratiques du SEO. Et à ne pas louper pour nos adhérents, on vous prépare quelques petites surprises sur fin mars et sur début avril. Donc restez connectés sur les réseaux sociaux. Vraiment, on vous invite à rester connectés et à ne pas louper ces surprises parce que je pense que ça va vous plaire. Et donc, ce webinaire est enregistré et il sera disponible en replay pour les adhérents de l'association sur le site. Donc, on vous invite à adhérer. Pourquoi adhérer au SEO Camp? Déjà, pour nous soutenir, pour soutenir des actions comme celle d'aujourd'hui. Et puis, après, vous avez plein d'avantages puisque vous avez les replays de plusieurs conférences, dont les conférences du SEO Campus Paris. Vous avez des tarifs sur les événements physiques qui vont reprendre bientôt, nous l'espérons. Vous avez des tarifs aussi sur certains outils et formations. Maintenant, je laisse la parole à Julie Chanteton, présidente SEO Camp. Julie, c'est à toi. Donc déjà, merci Marine. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Marine, du coup, est la salariée de l'asso depuis un an et demi maintenant. Et c'est important de le dire. Et il y a une super interview sur le blog, n'est-ce pas, Marine? Donc en tout cas, effectivement, on a voulu organiser pour la journée de la femme et des droits de la femme. Il y a plein d'appellations. Sandrine en parlera mieux que moi tout à l'heure. Pour cette journée-là, on voulait effectivement faire une thématique sur le SEO et les femmes. C'est une question qui revient souvent. Voilà, on a effectivement Marine s'est chargée du dossier, a lancé Sandrine, et puis du coup toutes les deux elles ont collaboré pour monter un peu cette table ronde et trouver des conférencières ou des consultantes qui puissent participer et apporter leur point de vue. Donc merci à ceux qui sont parmi nous en live là et à ceux qui regarderont replay plus tard. Donc moi je m'appelle Julie Chanteton aussi, je suis consultante aussi, je travaille, je suis en cette année présidente de l'association SEO Camp, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'association merveilleuse qui vient de fêter ses 13 ans et qui s'occupe du SEO et francophone, français,
français principalement, mais francophone aussi. Hein. Il y a de la Belgique, il y a de la Tunisie. Enfin, voilà, on a un peu du monde un peu partout. Et donc, ça, depuis octobre, je suis présidente. Et puis, on essaye d'organiser effectivement des événements qui permettent soit de réfléchir à la notion de métier. On a parlé de l'enquête emploi, le métier de SEO, les évolutions, de mettre en avant des intervenants, des conférenciers, des outils aussi. Donc, de mettre en valeur tout ça et de regrouper un peu toute la communauté SEO. On a la chance d'avoir une jolie communauté, donc on essaye de l'animer et de la fédérer un petit peu. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que je fais partie du truc parce que je fais partie de l'asso. Et mine de rien, pour rappel, je suis la troisième fille présidente d'affilée. Avant, c'était Zora et avant ça, il y avait Véronique Blonde aussi. Et donc voilà, troisième présidente, comme quoi les filles ne comptent pas pour des prunes en SEO. Et puis voilà, Sandrine, je vais peut-être te passer la main du coup, vu que tu diriges un petit peu l'animation de la séance. Oui, et eh bien en fait, je vais laisser les filles se présenter, chacune leur tour. Ensuite, je vous ferai un petit rappel sur ce qu'est la journée des droits des femmes, d'où est-ce que ça vient, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. J'ai noté quelques dates, mais qui sont essentiellement des dates plutôt liées au travail. J'ai laissé de côté ce qui était plus perso, violences faites aux femmes, tout ça, je l'ai laissé de côté, parce qu'on a choisi de rester sur un côté un peu plus pro. J'ai extrait quelques données de la précédente enquête sur l'emploi. Donc, je vous montrerai un peu trois pauvres graphes. Et ensuite, on essaiera un peu de se faire des questions-réponses un peu sur comment en fait on vit nos postes de SEO au quotidien. Et avec voilà, avec des choses vers lesquelles je voudrais amener les participantes et amener les gens qui nous regardent à réfléchir un peu sur une façon de voir les choses et de montrer aux autres qui on est. Voilà. Donc, en quelques mots, les filles, qui êtes-vous? Laura. Bonjour tout le monde, je m'appelle Laura Blanchard, j'ai 32 ans, bientôt 33, je suis nantaise, nantaise d'origine et je suis restée à Nantes. Je fais du SEO depuis 10 ans, je fête mes 10 ans cette année, ça fait un peu mal, ces 10 ans de carrière m'ont permis quand même de créer ma boîte il y a 4 ans et ça par contre ça fait plaisir. L'agence s'appelle Cosi, Khosi. On est à Nantes et c'est quatre associés, deux garçons, deux filles. On a atteint la parité. Voilà, je fais du SEO principalement, du SIA. On commence à toucher un petit peu à de l'UX, de l'analytics. Et voilà, et je suis ravie d'être là et je trouve que c'est une super initiative. Donc, c'est un plaisir de partager l'écran avec vous. Super. Oriane. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Oriane Renée Pérez. J'ai pareil, hein, quelques années déjà. Bon, j'ai 38 ans bientôt. Et j'ai démarré dans le web en 2010. Donc, du coup, ça fait 11 ans cette année. Donc, pareil, ça fait un petit peu mal quand on commence à regarder en arrière. Mais bon, c'est bien. J'ai démarré en faisant de la rédaction tout à fait classique. Donc en 2010, donc à mon compte au démarrage, puis j'ai rejoint l'équipe de Corleone Biz pendant 2 ans. J'ai arrêté début 2017 pour me remettre à mon compte et pour changer un petit peu d'activité puisque je me suis mise au spinning à plein temps à ce moment-là. Donc ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Et voilà, je suis donc à nouveau à mon compte en auto-entreprise et voilà, je suis en parité avec moi-même toute seule, mais et voilà. Merci. Tu nous expliqueras tout à l'heure ce qu'est le spinning pour les gens qui ne connaissent pas. Bien sûr, oui. Rapidement. Diane, à toi. Alors moi, ça fait 13 ans que je suis dans le SEO web marketing. Hein, donc bien sûr, mon cœur de métier à la base, c'est vraiment le SEO, le SIA. Progressivement, j'ai évolué sur des postes un peu plus transverses, hein, notamment
en passant d'agence à l'annonceur, où là, j'ai touché différentes problématiques et surtout, j'ai eu un rôle plus mise en place de stratégies multileviers et pas seulement, on va dire, production ou opérationnel SEO ou SIA. Et après avoir jonglé entre le monde de l'agence, le monde de l'annonceur, bon, aujourd'hui, je monte mon agence, et très récente, hein, depuis le début d'année, voilà, avec une optique de proposer des prestations pluridisciplinaires. Voilà. Merci. Julie, tu t'es présentée en tant que présidente du SEO Camp, mais toi, en tant que... Qu'est-ce que tu fais d'autre? Fais-tu dans la vie? Du coup, effectivement, moi aussi, je suis nantaise, mais d'adoption. Donc, enfin, je suis entre Nantes et Saint-Nazaire, la campagne. Je vais bientôt aussi avoir 38 ans et je suis consultante SEO. Donc là, à mon compte depuis un an. Mais j'ai fait de l'agence, de l'annonceur et du freelance. Depuis, en fait, je suis dans le web depuis 13-14 ans. J'ai fait un peu de développement au début. J'ai fait du web marketing chez l'annonceur au sens large, donc SEO, AdWords, emailing, affiliation, tout ça. Et puis, depuis 4 ans, 4, 5 ans, enfin, bref, depuis quelques années, je me suis spécialisée dans le SEO parce que c'est déjà un sujet très, très varié et c'est ce qui me plaisait le plus, en fait, dans le web marketing. Et du coup, je suis allée en agence pour me perfectionner et me spécialiser, on va dire, parce que c'était plein de thématiques différentes, plein de problématiques différentes. Et voilà. Merci. Anna. Anna. Oui. Voilà. Bonjour à tous. Et donc, je m'appelle Ana Maria Vanegas et j'ai 39 ans, bientôt 40 ans. Et j'ai pas d'enfant. Et je travaille chez Planet Cards depuis 2 ans et demi en tant que SEO. Et bon, initialement, j'ai plutôt un parcours, enfin, j'ai fait des études en marketing international. Et rapidement, je me suis réorientée vers une formation de webmaster. Et c'est là d'ailleurs que j'ai connu Sandrine, qui était ma prof. Et en même temps, elle travaillait, elle était responsable de SEO chez Planet Cards, l'endroit où je travaille actuellement comme SEO junior. Et il y avait un poste qui s'est ouvert et Sandrine m'a proposé de postuler. J'ai eu le poste. Et j'ai intégré son équipe, donc bon, son équipe à l'époque, en tant que CEO junior. Voilà. Merci. Audrey. Audrey. Oui, bonjour à tous. Oui, ben, j'ai enlevé le micro. Ah ouais, mais tu Voilà, sais, je alors. suis pas patiente, moi. Alors, je vais faire ça en speed, je plaisante. Non. Du coup, moi, je viens de faire 41 ans vendredi et ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis dans un métier du web, plus ou moins rapproché, quoi. Ça fait plus de 15 ans que je fais du SEO et j'ai commencé en tant que développeur, chef de projet technique, donc j'ai un background plutôt technique. Et j'ai eu la chance de passer par déjà deux pans du SEO qui sont en agence d'abord, puis après chez l'annonceur, de nouveau en agence. Et là, je tente l'aventure à mon compte, donc ça devrait se déclencher là dans les prochains jours. Voilà, donc j'aurai fait le tour de à peu près tout ce qu'on peut faire, je pense, en tant que SEO. Il ne manquera plus que l'édition de site, mais ça ne saurait tarder. Et voilà, pour le profil, c'est plutôt un profil assez généraliste, puisque j'ai commencé il y a longtemps le SEO, et à ce moment-là, on ne distinguait pas encore forcément tous les aspects du métier. Et je me demandais si, du coup, Sandrine, tu te présenterais pas toi aussi. Ouais, j'étais en train de me dire que je m'étais zappée. Merci. Alors, du coup, moi, je m'appelle Sandrine Bertrand. Je suis consultante senior chez SEO Hackers. Donc, comme a expliqué Anna, avant, j'étais responsable Europe chez Planet Card sur la partie SEO.
Moi, c'est moi qui gagne, parce que ça fait 19 ans que je fais du référencement. J'ai commencé juste avant que mon fils naisse. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai un repère facile. Et moi, je suis passée par déjà à mon compte chez l'annonceur en agence. Voilà, donc j'ai une bonne partie, une bonne vision de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut faire en fait en tant qu'SEO. Voilà. Je vous embête avec les quelques slides que j'ai présentés et ensuite on pourra partir sur un peu les formations que vous avez eues et comment vous en êtes arrivé au SEO, parce qu'en fait on est arrivé un peu là-dessus un peu par hasard, donc c'est intéressant de voir un peu comment on est arrivé. Je vous ai préparé quelques slides. Hop. Ça doit être celui-là. Hop. Pour essayer en fait d'expliquer un peu déjà ce que c'était que la journée internationale des droits des femmes et pourquoi on était des SEO comme les autres. Et j'ai recorrigé ce matin, puisque ce matin dans la news, vous avez écrit des SEO pas comme les autres. Je me suis dit que les deux fonctionnaient aussi. C'était assez rigolo finalement. Alors, pour expliquer un peu aux gens, c'est la journée des droits des femmes et non pas les journées de la femme ou des droits de la femme. C'est une chose où la journée des droits de la femme, c'est une mauvaise traduction de l'ONU, en fait, entre l'appellation de l'ONU et l'appellation de... Et la traduction française, il y a eu en fait un loupé en fait, dans la traduction, qui fait que souvent on le met au singulier, mais c'est bien au pluriel en fait. Pour faire un peu d'histoire, le 8 mars, c'est la première date en fait sur laquelle on trouve on parle de la journée des droits des femmes. C'est en 1917, le 8 mars 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg. Et c'est aussi ce qui a noté le début de la Révolution russe. La journée a été reconnue en 1977 par l'ONU et seulement en 82 en France. Donc c'est plutôt assez récent, l'air de rien. Quelques dates un peu liées au monde du travail. Donc les premières bachelières, comme on va parler un peu des formations, datent de 1919. L'équivalence du bac homme-femme n'a été promulguée que 5 ans plus tard, en 1924. J'ai mis le premier planning familial quand même, parce que c'est important, c'est aussi, ça fait partie des choses qui peuvent quand même nous aider à travailler un peu plus sereinement de temps en temps. 1938, fin de la capacité civile des femmes. En 1942, c'est Rosie la rifteuse, et je reviendrai dessus juste après, parce que c'est ce que j'ai choisi après comme image. 1944, le droit de vote en France, première sénatrice en 1946, première femme ministre en 1947. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, en 1955, ils nous impriment le guide de la bonne épouse, histoire qu'on ne fasse pas n'importe quoi quand même. Et c'est la même année que Rosa Parks décide de s'asseoir dans le bus, là où les personnes de couleur n'avaient pas le droit. En 1963, c'est la première femme pionnière de la conquête spatiale. Ça, c'est intéressant aussi de le noter, que c'était, je crois que c'était que 2 ans après Yuri Gagarine, donc c'est vraiment très proche. En 1965, en France, on a enfin le droit de travailler sans l'autorisation du mari. C'est pas mal. En 67, autorisation de la contraception et la Déclaration universelle des droits de la femme. En 74, c'est la première grève des femmes en France. En Islande, en 80, première femme présidente. 81, création du ministère des droits de la femme. 83, c'est un truc qui nous intéresse un peu plus maintenant, la loi Roudy pour l'égalité des salaires hommes-femmes. Donc ça date un peu, mais c'est toujours pas, a priori, c'est toujours pas calé cette histoire. En 98, féminisation des noms des métiers. Donc par fonction, par grade ou par titre. Et en 2013, juste pour le fun, on a enfin le droit de porter un pantalon. C'est en 2013 que la loi napoléonienne a été abrogée.
Voilà, parce que je trouvais ça rigolo. Je vous invite à aller sur le site 8mars.info où il y a plein de dates comme ça et plein de choses avec des anecdotes et des choses. Et c'est plutôt intéressant en fait, de voir un peu l'évolution de tout ça depuis la Révolution russe. Et à savoir, on n'offre pas de fleurs, messieurs, c'est pas le jour. Le violet a été défini comme la couleur du féminisme. Donc, j'ai appris ça sur le site. Donc, je vous ai mis une copie d'écran d'Interflora qui avait expliqué pourquoi il ne fallait pas offrir de fleurs, ce que je trouvais pour un fleuriste plutôt réglo. Et je vous invite aussi à aller découvrir un service de Google, c'est pas réellement un service, mais ils ont mis en place des conférences et des ateliers en fait. Je suis remarquable et qui sont très orientés pour les femmes et puis pour les minorités et pour essayer en fait justement de changer un petit peu notre vision à nous de nous présenter avec des chiffres intéressants, des exercices et c'est plutôt un truc assez sympa. Donc c'est un truc que je vous invite à aller voir. Rosie la rifteuse, en fait c'est un symbole qu'on connaît, qu'on voit assez souvent dans le féminisme. C'est une affiche qui date de 1942 qui symbolisait la force et la féminité et c'était pour remonter le moral des employés qui travaillaient pour remplacer les hommes partis au front. Et le nom de Rosie la rifteuse vient d'un chant patriotique de cette même année. Voilà pour la partie historique. Pour ce qui est, nous, de notre métier à nous, les femmes dans le SEO, on est à peu près… Alors, ça, c'est l'enquête de 2019. On était donc 34% de femmes contre 64% d'hommes. Il y avait beaucoup, en fait, dans les femmes. On est à 50% de confirmés plus 25% d'experts. Donc, on a un 76% de profils qui savent de quoi… qui connaissent le SEO quand même. Essentiellement, on a quand même des profils qui sont très orientés ou généralistes ou contenus et beaucoup moins techniques puisqu'il n'y en a que 13% qui se sont annoncés comme étant techniques sur cette enquête. On attend avec impatience le prochain résultat pour voir si ça a évolué ou pas. Pour ce qui est du niveau d'études, on est quand même sur un niveau d'études qui oscille entre du bac plus 3 et du bac plus 5, ce qui est plutôt assez élevé. Pour autant, on a quand même dans le SEO au moins 50% qui sont autodidactes. Donc, on sent qu'il y a eu une formation en amont et qu'on est arrivé un petit peu par hasard ou par des biais un peu détournés sur le métier du SEO. Alors, à vous de me dire comment vous êtes arrivée sur le SEO. Julie. Et ben moi, du coup, au niveau formation, effectivement, j'ai un bac plus 2, j'ai un BTS dans l'audiovisuel. Donc, j'étais partie sur un profil technique quand même. J'étais pour faire du montage à la télé, au cinéma et tout ça. Et effectivement, de toute façon, à l'époque, le web marketing, c'est ça aussi, je pense qu'il y a la grosse proportion d'autodidactes vient aussi du fait qu'on parle principalement de personnes qui, en fin d'études, il n'y avait pas d'études sur la thématique du SEO ou le web à l'époque. Et du coup, voilà, j'ai fait de l'audiovisuel, j'ai bossé à la télé, j'étais intermittente du spectacle. Et puis, comme j'avais du temps libre, parce qu'on a quand même du temps libre à ce moment-là, je m'étais formée toute seule à l'époque, ça s'appelait le site du zéro, à faire du PHP et tout ça, et pour faire mes propres sites web. Et puis, petit à petit, j'ai fait des sites de copains, j'ai fait des sites de clients, je suis partie là-dedans. Et finalement, le web est devenu, c'est clairement ma passion. Et du coup, j'ai laissé tomber sans regret la télé et je suis partie dans le web. Et le web marketing, maintenant, plus précisément. Voilà. Laura, comment tu as débarqué dans le SEO ? Eh bien, par hasard, très originalement. j'ai fait 5 ans d'études en marketing international. Enfin, j'ai fait 4 ans. Et j'étais en Chine, où j'ai fait mon stage de fin d'études. Et ce stage m'a amené à bosser dans une boîte qui faisait à peu près la même chose en France, à Angers.
Et l'occasion était qu'ils refondaient leur site et que personne n'y connaissait rien. Et j'étais la plus jeune de la boîte. Et on s'est dit, bah, si elle est jeune, Internet, elle doit connaître. Et du coup, c'est un peu comme ça que je suis tombée dedans. Et il y avait une agence qui était Cybercité à l'époque. Donc, j'ai appris le SEO en tant qu'annonceur avec l'agence Cybercité. Et c'est là où je me suis dit, tiens, c'est sympa. Et donc, j'ai repris mon master 1 en communication digitale à Paris et en alternance chez Synaudience, qui m'avait embauchée et qui m'ont tout appris, finalement. Voilà, un peu par hasard, et j'ai bien fait et j'en suis bien contente. Diane, je t'ai vu lever un sourcil sur la Chine. Et oui, évidemment, hein, toi qui connais un peu mon parcours, hein, qui est un peu similaire finalement à celui de Laura, puisque alors moi en l'occurrence, hein, j'ai vécu en Chine pendant 3 ans, mais à l'époque j'avais un diplôme de photo en poche. Hein, et finalement, c'est en Chine où je me suis dit, oh là là, si le diplôme de photo, je ne sais pas bien ce qu'on va pouvoir en faire. Donc, je me suis formée à distance. J'ai commencé à faire des petits sites, à apprendre aussi avec le site du zéro, hein, qui est quand même assez représentatif, je pense, pour les autodidactes de notre âge ou, ou du vôtre. Mais, j'ai commencé à faire des petits sites, apprendre un peu le HTML, le CSS. Je me suis intéressée à tout ça. Et puis… finalement, moi, je suis rentrée en France le jour où j'étais enceinte de mon premier enfant. Et puis, juste après ma grossesse, j'ai eu envie de travailler. Mais j'avais envie de retravailler rapidement. Donc, finalement, j'ai pris une mission en intérim et une mission de standardiste. Et puis, un jour, j'entends dans l'entreprise qu'ils cherchent quelqu'un pour s'occuper du marketing, de la communication. À l'époque, j'étais dans une entreprise qui vendait des stages de pilotage sur voitures de course, un peu les coffrets Smartbox, par exemple, et ils vendaient ça en ligne. Ils ont dit « oui, on cherche quelqu'un ». Et du coup, j'ai dit « mais moi, ça m'intéresse, allez, je tente ma chance ». Ils m'ont donné ma chance, hein, c'était 2 hommes, justement. et un peu de fil en aiguille, c'est là où… je suis rentrée dans le SEO parce que de la même manière, donc j'ai travaillé avec des agences qui, à l'époque, effectivement, on cite, enfin, Laura a cité Cybercité. Moi, à l'époque, c'était première position des agences, voilà, un peu, on va dire, précurseurs ou en tout cas qui étaient des grosses agences à l'époque ou en tout cas, moi, qui m'impressionnaient beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le SEO. Et voilà, la suite de l'histoire dit que je suis là aujourd'hui. En plus, toi, Sandrine, tu connais une partie de l'histoire. D'ailleurs, j'aurai certainement l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mais pareil, quoi, ça a été un peu… comment t'es arrivée dans le SEO ? Ben, par hasard et avec du culot. Donc, oui, parce que passer de standardiste à le titre un peu pompeux de responsable marketing… Finalement, fallait aller chercher le projet, je l'ai fait et aujourd'hui, bien sûr que je ne regrette pas et c'est un peu, ça fait aussi partie des messages qu'on veut envoyer aujourd'hui. Hein. Vous sentez le truc, vous êtes passionné, allez-y quoi. Donc, voilà un peu enfin comment j'ai atterri dans ce monde merveilleux du search marketing. Merveilleux, ouais, je sais pas, mais pas tous les jours, mais en même temps, il est sympa quand même. Oui, non, ça m'amuse bien. Anna, comment t'es arrivée toi dans le SEO, à part en m'écoutant moi? Mais c'est déjà pas mal. Mais c'est ça, Sandrine. Mais oui, non, mais j'ai voulu me faire une reconversion, donc avec une formation de webmaster. Et je ne connaissais, enfin, j'ai pas du tout un background technique. Et c'est là où j'ai entendu parler du SEO. Donc, comme j'ai dit, Sandrine était la prof, la maîtresse. et donc, ça m'a intéressée beaucoup. Ça, c'était en 2018. Et ensuite, j'ai commencé aussi une autre formation que encore Sandrine avait créée. Donc, c'est un Deal Campus, donc une formation plus spécialisée dans le référencement naturel. Oui.
Et encore, donc Sandrine m'a donné l'opportunité d'intégrer son équipe. Et donc, c'est comme ça que j'ai atterri dans le SEO. Grâce beaucoup, beaucoup, beaucoup à Sandrine, comme vous avez pu comprendre. Oriane, bah tiens, tu souris, voilà, tu as fait du bruit, tu t'es allumée à l'écran, à toi. Par hasard aussi, en fait, hein, c'est un peu, bon, c'est un parcours un peu différent. J'ai passé un bac S il y a fort longtemps et au démarrage, je me destinais à des études de médecine. Donc, c'est ce que j'ai fait en commençant à la sortie du bac. Et en fait, ça s'est très, très mal passé. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout un milieu qui me convenait. Bon, je vous passe un peu les détails de toutes les fois où je me suis trompée, que j'ai commencé un truc, que je ne l'ai pas fini parce que ça n'allait pas, etc. Pour finalement avoir une expérience dans une entreprise qui était dans le web. Et qui faisait pas du tout du SEO, mais en fait, c'était une plateforme de chat en ligne. Donc, il y avait un site de chat qui s'appelait chat.com. Je ne sais pas si certains se souviennent, parce que ça fait fort longtemps aussi. C'était, je pense, il y a une bonne quinzaine d'années. Et en fait, dans cette boîte-là, ils avaient besoin de gens pour faire d'un côté de la modération sur des sites de chat et de l'autre côté, de faire de l'animation sur du chat par SMS. Parce que bien évidemment, ton chat par SMS au 8-32-32 avec les hommes et les femmes de sa région, c'est pas des vrais gens, donc c'était des animateurs et des animatrices. Et voilà. Oui, je te jure. C'était toi la facture de téléphone. Détaillé, ouais. Oh merde, les 18 pages de SMS payant surfacturé. Tout ça, il y avait certains participants qu'on revoyait souvent. On avait calculé, il y en avait un qui était caissier de supermarché, il dépensait une fois et demie son salaire en SMS tous les mois. Donc, ce n'était pas très beau. Bon, on avait 20 ans et puis on ne réfléchissait pas à savoir si c'était moral ou pas moral. On le faisait, puis c'était drôle. Et surtout, l'anecdote qui est rigolote, c'est que j'étais payée notamment sur prime. Il y avait déjà une partie variable dans mon salaire en fait, et qui dépendait du nombre de SMS que j'arrivais à produire en fait sur une heure quoi. Et donc on avait un minimum, je crois qu'on devait faire 180 SMS par heure, et moi j'arrivais à en faire 300 et des poussières quoi. Et bon, je me suis dit, en sortant de cette boîte-là, après j'ai fait complètement autre chose, je me suis dit, ça, je pense que c'est l'expérience professionnelle qui me servira le moins de toute ma vie. Je pense qu'il n'y a personne, à aucune occasion, je pourrais m'en servir. Et puis finalement, après j'ai repris des études, j'ai passé un tout petit diplôme en service financier, donc j'ai validé un bac plus un, mais pas au-delà, en pensant pouvoir retravailler au guichet d'une banque, parce que c'était un peu le but. Et en fait, c'était un diplôme qui servait à rien, en fait, parce que les banques ne l'acceptaient pas du tout. C'était une mention complémentaire, mais c'était pas très intéressant finalement dans le concret. Et là, bon, ben, pour plein de raisons, je me suis retrouvée un peu à pas savoir quoi faire. Et puis un jour, j'ai un pote qui m'a dit, bon ben, tu sais écrire correctement? Je dis oui. Tu penses que tu sais taper vite au clavier? Je dis oui. Il me dit, bon ben, viens, je connais deux trois personnes qui ont besoin de gens pour écrire. T'inquiète pas, même si tu y connais rien, tu vas te débrouiller. Donc j'ai commencé comme ça, donc à mon compte. Et puis après. Et après ça a été rapide, et puis après il y a eu plein de phases différentes, mais au final la seule expérience qui m'a vraiment servi, bah, c'était celle où il fallait taper 300 SMS de là, c'est ce qui m'a permis très rapidement d'en faire une activité à plein temps, et puis surtout de taper très vite et puis d'avoir tout de suite des idées, et puis voilà, donc comme quoi dans la vie eh ben, on peut être surpris parfois, voilà. Audrey? Je confirme qu'Oriane tape tellement vite que j'en suis jalouse. Quoi. Un truc de dingue. Comment je vais commencer? Moi aussi, j'ai un bac S. Après, il fallait s'orienter, il fallait choisir où c'est qu'on voulait aller. Moi, j'avais que le mot informatique à l'époque, hein, dans les années 2000. Et il y avait plein de trucs informatiques, mais c'était quoi, de la compta ou des trucs qui n'avaient rien à voir avec le Schmilblick. Et je suis tombée un peu par hasard dans l'informatique de gestion. Donc, j'ai un BTS informatique de gestion. Et à l'époque, je me disais que j'allais faire du développement. J'ai commencé à faire mon premier site web en parallèle du site du zéro avec l'école. Et j'avais des profs qui étaient un petit peu sévères et qui disaient que l'administration réseau, c'était la voie de garage.
Alors qu'en fait, c'était la meilleure expérience parce que tu te retrouvais dans des, rapidement dans des stages où tu devais connaître à fond le réseau, pardon. Finalement, travailler comme un gars, quoi. Enfin, il fallait monter les câbles dans les plafonds, etc. Mettre en réseau les machines, gérer les baies, etc. Donc, du coup, ça permettait vraiment de se rendre compte de qu'est-ce qu'il y a derrière, hein, au niveau web. Et après cette expérience-là, ben, j'ai voulu continuer après le BTS et j'ai pu avoir une licence. Donc, la licence, elle était à Toulouse, pas loin de là où Sandrine donne ses cours. C'était à Saliège et j'ai obtenu la licence RTAI, responsable technique d'application Internet. En gros, on faisait du flash à l'époque. Ça n'existe plus, pour dire comme c'est vieux. J'en entends qui rigolent derrière. Non. Bref. Non. Tu sais que t'es vieux dans le web quand tu fais des blagues sur le flash. Moi, des fois, avec mes étudiantes, je parle du flash et en fait, personne ne sait. Tu fais... Ouais, bon, bah, sachez qu'en tout cas, c'était pas bien pour le SEO, mais ça tombe bien, ça n'existe plus. Voilà, toi-même, tu sais, quoi. Et du coup, voilà. Donc, en fait, il y avait plein de choses. Il y avait du Java, il y avait... Enfin, voilà. Mais même après tout ça, finalement, pour ne pas avoir fait vraiment beaucoup de développement à côté, je n'étais pas non plus apte à développer du logiciel et je préférais le développement web. Et en parallèle de tout ça, j'avais un emploi où je travaillais le soir après les cours, quoi. Et ils m'ont gardé. C'est un emploi que j'ai eu par l'intermédiaire du lycée dans lequel j'ai passé mon BTS, qu'ils ont des listes d'entreprises qui cherchent des personnes. Et j'ai commencé à travailler pour cette entreprise, et donc le SEO, dans un garage. C'est à la mode chez Google aussi, pareil. Bref. Et du coup, après ça, ben, j'avais bien froid. Alors, je me suis dit, tiens, et si j'allais m'intéresser à ce que font les gars dans l'atelier à côté? Et on montait, c'était une boîte de distribution par automate. Ben, vous savez ce que vous avez dans les distributeurs pour prendre une boisson ou un snack, voilà, sur les quais ou ce genre de choses. Et ils faisaient aussi dans les pressings. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Bah parce que en fait, l'expérience la plus rocambolesque, alors ce n'est pas des SMS, tu vois, mais c'était bizarre parce qu'à la fois, je faisais du développement quand j'étais en atelier, à la fois, j'essayais de faire du reverse engineering sur les machines à laver pour essayer de les mettre en réseau. Bien sûr, je ne savais pas le faire, hein, mais l'idée, c'était de voir ça communique, ça ne communique pas. OK, des 0 ou des 1, c'est de l'informatique, parfait, c'est exactement ce que je voulais faire. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de ce même avec le chien qu'on voit, il y a marqué en dessous « I don't know what I'm doing ben, ». Voilà, c'est ça. Et après finalement bah, ça s'est transformé en mode bon, puisque je ne sais pas développer ces trucs-là parce que c'est compliqué, on va faire appel à un bureau d'études. Et là j'ai appris au taquet parce qu'il y avait les mecs du bureau d'études et moi je suis passée un peu en chefferie de projet. C'était pas du tout prévu comme ça, mais ça m'a appris à gérer un projet, ça m'a appris à faire des projets de malade parce qu'on a mis les machines à laver en réseau avec une borne pour commander à distance, il y avait un écran tactile, enfin tous les trucs bling bling qui voilà, qui, moi, m'intéresse et tout. Et puis après, dans cette même borne où on payait pour démarrer à distance, etc., ben on a mis un modem. Oui, à l'époque, vous savez, les modems, ça va, c'est pas trop flash. Et donc, on a mis encore un modem. Plus vieux que le flash. Voilà, un petit modem en mode RTC, bref. En gros, l'idée, c'était qu'on puisse, à distance, faire de la télémétrie, quoi, relever les compteurs, etc., combien on a fait de recettes, voir s'il y a une panne, que ça l'envoie directement au dépôt. Et du coup, ben, j'ai fait des panneuses aussi, hein, parce qu'on était 5 dans la boîte et il fallait savoir tout faire, quoi. Mais dès que je me retrouvais au bureau, je regardais un peu sur le web comment je pouvais connecter tout ça en réseau. Puis après, je me suis dit, bon, OK, mais c'est pas mal tout ça. Dans la même période, entre 2003, je commençais à regarder, mais je n'étais pas inscrite. J'allais sur WebRank Info, encore un autre site de dinosaures, là où tous les référenceurs se sont formés. Et là, je suis tombée vers 2005, je crois, j'ai créé mon compte et je suis devenue du coup, modératrice. Vous m'entendez toujours parce que j'ai mon écouteur qui s'est déconnecté. On t'entend toujours bien ? Oui, nickel. Ok, super. Donc du coup, je vous disais que bah, du coup, sur WebRank Info, bah, on s'est retrouvé à apprendre le référencement et je me suis dit ça serait bien de créer un site pour cette boîte-là. Comme ça, les étudiants, parce que c'était surtout chez les étudiants où il y avait des machines à laver dans les sous-sols et tout, les laveries, etc. Ils pourront voir si une machine est disponible à distance et aller sur le site web. Et après, je me suis dit, mais comment on référence le site web? Parce que j'avais vu que c'est ce qu'on faisait sur WebRank Info. Voilà comment j'ai commencé le référencement et ce n'était pas gagné d'avance. Et suite à ça, je me suis dit, finalement, j'aime bien aider les gens sur le forum. Est-ce que j'en ferai pas mon métier? Parce que finalement, la chefferie de projet, c'était un hasard, mais ce n'était pas forcément ma spécialité première. Et on m'a donné ma chance en agence. C'est là que j'ai commencé le référencement. Voilà pour moi.
Hop. On va juste prendre une question rapide, en fait, de Marie-Luce. Est-ce que le fait de ne pas avoir fait d'études techniques a été un problème pour vous? Qui répond? Diane, vas-y. Ouais, je peux donner mon avis. Alors, est-ce que ça a été un problème pour l'évolution professionnelle? Visiblement, non. Est-ce que ça a été parfois une frustration ou un élément où je me suis dit, mais je ne suis pas technique, je ne sais pas développer. Est-ce que ça m'a généré un peu d'insatisfaction? Oui. Maintenant, si pour extrapoler, c'est est-ce que sans être un profil purement technique, je peux et faire du SEO et du marketing digital, la réponse est oui, oui, il faut foncer. Après, bien sûr, il faut s'intéresser un minimum à la partie technique. Mais voilà, moi, ça a été un complexe pendant très longtemps. En plus, j'ai commencé le SEO à une période où il y avait les SEO Black Hat, ce qu'on appelle. Ils m'ont toujours un peu fasciné, mais ils m'ont aussi souvent mis beaucoup de complexes. Bon, aujourd'hui, je partage ma vie avec quelqu'un qui est un peu SEO Black Hat, alors je leur en veux pas. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était difficile. Mais je pense que voilà, il y a différentes approches et qu'en fonction des cas clients, on n'a pas besoin des mêmes compétences. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ma réponse. Moi, je pense qu'en fait, parce que de toute façon, à une époque, les profils, les études techniques n'étaient pas forcément liées au web et tout. À l'heure actuelle, maintenant, un petit jeune, une jeune fille qui veut se lancer dans la technique, pourquoi pas, il y a sûrement plein de diplômes qui peuvent correspondre et technique SEO, quoi. Mais comme vous disiez avant, de toute façon, il y a 10-15 ans, tout le monde était généraliste, tout le monde faisait un peu tout. Et souvent, pour commencer le SEO, c'est déjà un peu ça aussi. Il n'y a qu'après, en fait, selon tes affinités, tu vas te spécialiser plus ou moins dans un truc. Si tu kiffes la technique, les crawls, les machins, tu vas y aller un peu plus là-dedans. Je ne pense pas que ça soit limitant, bloquant. Et ce qui compte, c'est la curiosité, à mon avis. Et puis, et après, de comprendre globalement, il y a des profils pour toutes les personnes. En fait, en SEO, ça peut, tous les profils sont possibles. Donc. Voilà, et je veux juste rajouter un point, c'est en fait qu'est-ce qu'on appelle technique en fait. Parce que par exemple, moi je vais dire je suis pas spécialement un profil technique. Je suis un profil qui fait de l'analyse de log, par exemple. Donc est-ce que je suis technique, pas technique? En tout cas, je suis pas développeur. Et pour moi, c'est le distinguo que je fais, mais voilà, il faut savoir ce qu'on met dans technique, mais en tout cas, il ne faut pas que ça soit un frein si on a envie de se lancer dans le SEO, se dire je ne suis pas développeur, j'y vais pas. Si c'est que ça, allez-y. Oui, ça n'empêche pas. À mon avis, ça n'empêche pas. Quelqu'un d'autre là-dessus? Laura? Je partage leur avis, donc je ne sais pas si je vais ajouter beaucoup d'eau au moulin. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait du marketing, je m'en sors très bien et il faut faire un effort au début pour… On travaille avec des développeurs, c'est eux qui font le web. Donc, il faut faire un effort au début pour comprendre ce qu'ils font, comprendre leur langage, se former au moins au HTML. Après, au-delà de ça, non, ça ne pose absolument pas de problème, mais c'est comme si on nous demandait… est-ce qu'il faut être rédacteur web pour faire du SEO? Non, par contre, tu vas bosser avec des rédacteurs. Alors, Oriane, t'es rédactrice, mais quand t'es consultant comme moi, je fais pas de rédac, mais je connais les enjeux de ce métier-là. Donc, en fait, c'est la même chose. Et pour rejoindre ce que dit Julie, le SEO a énormément de facettes. Aujourd'hui, il y a plein de manières de faire du SEO et je continue de m'étonner quand on pouvait aller sur des confs. Les discussions qu'on peut avoir avec des gens, il n'y en a pas deux qui font du SEO de la même manière. Donc, la technique, ce n'est pas un frein. Faut juste comprendre les gens avec qui on bosse et du coup, comprendre la technique, mais tu n'es pas obligé d'être développeur. Et puis, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de ressources en ligne aussi pour se former. Il y a plein de manières d'apprendre. On peut même apprendre le développement web avec des cours en ligne. On peut se former de plein de manières possibles. Après, c'est sûr que être autodidacte et d'essayer de se former seul, ce n'est pas la voie la plus simple. C'est sûr que d'être à l'école,
ça paraît plus évident, mais je pense qu'il y a suffisamment de possibilités. Puis on a quand même, j'ai l'impression, une communauté qui est assez bienveillante, comme on s'échange quand même beaucoup de choses, qu'il y a plein de conférences, on peut apprendre plein de choses aussi. Voilà, ça ne manque pas, quoi. On ne manque pas de possibilités d'évoluer et de faire évoluer son travail, qu'on soit rédacteur ou qu'on soit SEO. Je pense qu'il y a de quoi faire, quoi. Il y a vraiment de quoi faire et c'est encore des boulots qui sont émergents. Donc, je pense qu'on ne juge pas encore vraiment beaucoup les SEO sur la formation initiale qu'ils ont eue. C'est plutôt l'expérience qui compte pour les entreprises qui embauchent et puis même pour les clients quand on est freelance, hein. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai de mon côté. Donc je n'ai pas l'impression non plus que ce soit un facteur bloquant, quoi. Quelqu'un veut rajouter Vas-y, Audrey. Oui, mais du coup, c'est pour toi. Parce qu'en fait, vu qu'il y avait une question et qu'Oriane a commencé à y répondre dans le sens de la formation, il me semble que tu avais parlé de ça il n'y a pas longtemps dans une autre conférence, Sandrine, où tu expliquais aussi justement qu'en agence, on est pas mal formé parce qu'on touche quand même beaucoup de choses, beaucoup de comptes différents. Enfin, tu voulais peut-être en parler. Du coup, pour dire que c'est une bonne expérience aussi, l'agence, c'est très formateur. Alors oui, l'agence c'est formateur parce que tu vas toucher à des tas de CMS, tu vas avoir des problématiques qui sont différentes d'un compte à un autre, des budgets différents, donc des solutions différentes à imaginer, qu'elles soient techniques ou rédactionnelles ou peu importe en fait. De temps en temps, il va falloir réfléchir. Et la solution technique, elle existe. Bah, prenez un dev, mettez un petit billet de 5 000 sur la table, on va tout vous résoudre. 5 000 ou plus ou moins, peu importe. Mais en réalité, c'est rarement comme ça, en fait. Souvent, il va falloir trouver des solutions, il va falloir en imaginer d'autres. Alors, est-ce que la solution, c'est de mettre un hook dans le fichier fonction.php d'un WordPress ou est-ce que c'est de proposer au client d'acheter un plugin? Et ça, je pense que c'est à nous, en fait, je pense que là, c'est à nous, en fait, d'avoir, pas forcément d'être technique, mais de savoir trouver différentes solutions à proposer aux clients. Et ça, c'est vrai que là-dessus, l'agence, c'est extrêmement formateur. Et effectivement, moi, je ne suis pas technique parce que je ne sais pas développer non plus. Est-ce que c'est une frustration? Non. Est-ce que je suis capable de trouver des solutions différentes? Oui. Après, c'est sûr que je serai forcément moins efficace qu'un dev qui va mettre 5 minutes à écrire une ligne de code que moi, je vais mettre 2h30. Mais au pire, je vais y arriver. Si vraiment, je n'ai pas de solution, je vais y arriver. Donc, après, il faut chercher, il faut tester, il faut essayer. Voilà. Et puis, il y a des fois, on a, même si ce n'est pas forcément une bonne idée, on a quand même les plugins, par exemple, que ce soit sur WordPress, Magento, PrestaShop, Shopify et compagnie. Avec un plugin, souvent, on arrive à faire ce qu'on a envie de faire techniquement. Donc, aujourd'hui, la technique, il faut, comme a dit Laura, en fait, il faut comprendre qui interagit avec quoi, en fait, plus que comment j'écris la ligne de code qui va me faire ça. C'est le title, ça s'affiche où et qu'est-ce que ça va chercher comme info dans la base. Si on a déjà compris ça, qu'on a compris globalement ce que c'était qu'une base de données, un truc, on va s'en sortir dans 80% des cas. Après, les 20% restants, de toute façon, c'est plus notre métier. À un moment donné, faut pas non plus hésiter à refiler la patate chaude, je pense. Il y a des fois où c'est plus notre métier, ça suffit, quoi. Voilà. On a une petite question de Mylène. Auriez-vous des formations SEO gratuites? Alors oui, il y en a, je pense qu'il y en a 250 sur le web, des choses. Et je pense que la meilleure formation qu'on peut trouver, c'est acheter un nom de domaine et puis essayer. De là, on prend un support en disant bah, « j'ai envie de faire ça, j'y arrive pas, on va chercher la solution et puis on met les solutions en pratique. C'est ce qui va être le plus efficace, en fait, je pense, comme formation. Et en gratuit, il en existe plein sur le web. Et puis aujourd'hui, avec les comptes, le CPF et compagnie, il y a moyen en plus d'en faire sans que ça coûte grand-chose en réalité, quoi. Mais je pense que quoi qu'il se passe… faites-vous un site et essayez de faire les choses, de toute façon. Si je peux me permettre un complément par rapport au fait de créer son site, quand on sait à quel point il y a des autodidactes dans notre métier, je pense que sur un CV, c'est beaucoup plus efficace de dire « voilà mon site » que j'ai fait la licence référencement à Mulhouse, qui somme toute est super, mais
ton site, c'est ta meilleure vitrine. Et puis, c'est, tu peux aussi, en, tu fais le soir, tu le fais quand tu veux, tu n'as rien qui te presse. Oui, mais en fait, moi, ce que je trouve important aussi d'avoir un site concrètement, c'est effectivement de pratiquer toute la vie du site, en fait, d'avoir le nom de domaine, d'avoir le FTP, de comprendre et tout. Pour moi, un développeur qui n'a jamais installé un WordPress ou dézipper un truc et aller jusqu'au bout du process d'install, il perd une partie de son métier aussi, et il perd une partie de la logique d'un site web, c'est quoi ? Et c'est souvent dans mes cours en SEO, je repars sur, parce qu'en plus, les jeunes aujourd'hui, ça fait vieux quand on dit ça, mais pour eux, Internet, c'est évident, c'est comme ça. Mais quand tu dis, OK, tu sais comment ça marche concrètement un site web, ils ne te parlent pas de FTP, de fichiers, de serveurs, etc. Donc, du coup, en général, je repars du début en disant, déjà, c'est juste le web, c'est juste des ordinateurs avec des disques durs qui sont tout le temps connectés les uns aux autres. Et donc, tu as des fichiers et oui, ils sont hébergés d'un côté, mais de l'autre côté. Enfin, bref, et effectivement, du coup, te pratiquer soi-même avec ton propre nom de domaine qui peut servir de ton portfolio et voilà, ton site.com, monnom.com, voilà, c'est le B.A.B.A. à mon avis, effectivement, et ça permet en plus après de partir sur plein d'autres trucs. Et pour rebondir sur un peu ce que disait Sandrine tout à l'heure, le côté démarrant en agence, je suis d'accord que l'agence, c'est super formateur. Après, il faut avoir la chance, effectivement, quand tu es jeune, en début de carrière, de rentrer en agence, ils peuvent te donner on va dire, ta chance, etc. Mais sinon, souvent, les gens y arrivent en étant chez l'annonceur. Justement, on a eu des exemples là dans ce qu'on a vu. Tu bosses dans le site de ta boîte, tu fais des choses et petit à petit, tu dois t'occuper du site de plus en plus et du coup du SEO. Et ça, par contre, c'est un sujet qui revient souvent et tu en parlais aussi, je crois. C'est les différents profils de SEO par rapport au fait si tu es chez l'annonceur ou en agence, ce n'est pas la même chose. Et moi, typiquement, c'est un des. L'agence, finalement, c'est la dernière chose que j'ai testée. Et j'ai vraiment vu la barrière à l'entrée pour rentrer en agence quand tu as déjà fait annonceur et freelance avant. S'il y a une vraie, vraie barrière, j'ai galéré au niveau entretien. Tout le monde me disait non, mais en fait, vous avez, chez l'annonceur, vous avez plus de temps, vous réfléchissez un peu plus sérieusement. En agence, il faut que ça aille vite, que ça percute. On va parfois moins loin parce qu'on n'est pas payé pour aller aussi loin, parce qu'on n'a pas le temps d'aller aussi loin ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est une logique de travail complètement différente. Et il y a beaucoup d'agences, moi, qui m'ont expliqué que c'était un pari et que c'était pas sûr que mon profil fonctionnera en agence après. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à savoir, en tout cas pour quelqu'un qui veut se lancer, sachez que si vous passez beaucoup de temps chez l'annonceur, les agences auront un peu plus peur de vous prendre, alors que si vous commencez dans l'autre sens, en fait ça passe nickel. Dans l'autre sens, vous faites l'agence, tous les annonceurs vont vouloir vous recruter. Mais bon. Anna, toi qui es chez l'annonceur, t'en penses quoi? Waouh, là, ce que Julie, j'avais jamais entendu dire quelque chose comme ça, Julie. Après, c'est mon expérience, peut-être que j'ai pas eu de chance et que c'était une excuse, mais ouais, il y a plusieurs agences, moi, qui m'ont dit, ça fait trop longtemps que vous êtes chez l'annonceur, vous acclimaterez peut-être pas, et dans le doute, Oui, non, mais je peux comprendre parce que, en tout cas, chez Planet Cards, ma seule et unique expérience pour l'instant, on essaye d'aller, on a juste un site à gérer et on va peut-être aller en profondeur et essayer de comprendre même, je ne fais pas le travail du développeur, mais j'essaye de comprendre même ce qu'ils font pour essayer de communiquer ce qu'il faut faire. Mais c'était quoi la question, Sandrine? Je t'ai perdue. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que être chez l'annonceur, ça pourrait poser problème pour candidater derrière pour une agence? Finalement, alors attends, je vais te la poser différemment. Est-ce que les difficultés qu'on rencontre chez l'annonceur ne sont pas suffisantes pour justifier d'une expérience utilisable en agence? Alors. D'après vraiment cette expérience, je pense que chez l'annonceur, il faut démontrer une ténacité. Et
il faut vraiment se battre parce que et donc on a face à nous des équipes peut-être c'est comme ça, mais en fait on connaît très peu le SEO. On a le responsable e-commerce et les managers, personne comprend vraiment le SEO et il faut savoir communiquer et se battre, être tenace pour essayer de mettre en place n'importe quelle petite chose. Et je pense que ça on peut le faire valoir. Enfin, je pense que c'est une qualité importante. Après, je pense que c'est important de trouver aussi le temps et de créer peut-être son propre site. Et de tester, enfin, on ne peut pas rester à travailler. Enfin, si on veut peut-être bosser dans une agence et se diversifier, il faut peut-être aussi travailler sur son propre site parce qu'on n'a pas toute la liberté de tester plusieurs choses, de tout tester chez l'annonceur. Donc, il faut continuer à se former et à créer peut-être son propre site si on a le temps. Il faut trouver le temps. Oui, ça, on arrive à trouver le temps. Ouais, on est des femmes de toute façon. Enfin, dans la quatrième vie, après les enfants et tout ça. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Vers 2-3 heures du mat, j'ai un creux. Je fais rien. Dormir, c'est tellement surprenant. C'est ça. Question à toutes sur la partie candidature. On a fait un peu le tour de la partie formation de nos profils. Donc en conclusion, on sait que voilà, ne pas être technique, c'est pas un souci. Bon, faudra travailler quand même par soi-même pour réussir à comprendre certaines choses, mais on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 3 en PHP JavaScript pour s'en sortir non plus. Donc question pour les filles, si je poste une annonce avec 10 exigences, est-ce que vous savez écrire, faire du PHP, de l'HTML, du CSS, etc. À partir de combien vous postulez sur les 10 exigences? Est-ce que vous postulez quand vous savez en faire 5, 6, 2, aucune, 10? Alors, Laura. Je réponds. Il y a 6 ans, je t'aurais dit, mais si je n'ai pas les 10, je ne postule pas. Ça va pas, t'es folle. Et maintenant, je te dirais, oh, il y en a 3, j'essaye. Tu prends en confiance, en fait, au fur et à mesure du temps. Et au-delà de prendre en confiance, tu sais ce que tu es en train de lire. Tu sais interpréter ce que veut dire une ligne compétence en PHP. Tu sais si tu les as ou pas. Donc, je dirais 3-4. 3-4, j'essaye. Et puis, je le tournerai à l'humour en disant, bon, écoutez, je n'ai pas toutes les compétences. Par contre, je suis très, très forte là-dessus. Oriane, ouais, je pense qu'il faut. Ouais, moi, personnellement, j'aurais du mal à postuler si je n'ai pas l'impression de tout maîtriser, d'être dans le contrôle de tout ce que je sais faire et pour pouvoir avoir réponse à tout. Mais dans l'absolu, je pense que Laura a raison, quoi. Je pense qu'il faut savoir mettre en avant ce qu'on sait faire. Et puis parfois, quand on demande une compétence, ça ne veut pas dire qu'on sait maîtriser l'ensemble d'un domaine, mais suffisamment pour comprendre certaines choses et pour appliquer des choses précises. Et ça, c'est avec l'expérience que ça se définit aussi. Donc, puis après, on peut aussi se former. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'agences ou de boîtes, en tout cas, qui recrutent aussi... au-delà d'un profil professionnel, une personne, et une personne, elle a des qualités de ténacité, des qualités, une envie d'avancer, une envie de se former, une envie aussi d'être fidèle à une entreprise. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, et je pense que même si moi, très personnellement, j'aurais du mal à le faire parce que j'aurais du mal à dépasser ça, je pense qu'il faut savoir le dépasser parce que ça vaut la peine de le faire et puis que ça peut être... parfois, il suffit que quelqu'un flash sur votre profil parce que vous avez la personnalité qui colle avec la boîte. Bah, des fois, on peut se dire que 2-3 compétences en moins, c'est pas ça qui va faire pencher plus la balance que ça, finalement, quoi. C'est plus un profil global, quoi. On ne se définit pas que par ce genre de choses, que par des lignes sur une offre d'emploi ou sur un CV, quoi. Diane? Bah alors moi, je dirais,
J'ai pas envie de répondre à la question. Oui, moi, je fais jamais comme tout le monde, hein, on le sait bien. Non, j'ai pas envie de répondre à la question à partir de combien de points d'exigence hein, je match pour répondre à l'offre d'emploi. Parce que, alors, bien sûr, voilà, quand j'étais toute junior, j'allais regarder point par point si je correspondais. Maintenant, je pense que ça, et c'est un message que j'ai vraiment, qui est important pour moi, que j'ai envie de faire passer, c'est qu'aujourd'hui, les recruteurs, voire les cadres dirigeants qui publient les offres d'emploi, parfois connaissent pas le métier. Donc en fait, on se retrouve, mais à la grande époque du spam, hein, la fiche de poste devient du keyword stuffing, où là tout le monde met, bon, attends, et moi j'ai entendu SEO, SMA, SMO, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je mets tout ça dans la fiche de poste. Et donc je pense que globalement, quand il y a des offres un petit peu melting pot comme ça, où on demande toutes les compétences, bah, si vous en maîtrisez, allez, 3 sur les 10 ou les 25 à ce moment-là, mais allez-y, parce que on est quand même aujourd'hui, on a il y a un profil de il y a une problématique de rareté des profils, parce que finalement, alors moi j'ai l'impression que recruter un SEO, c'est facile, hein. Je me dis, bah attends, des SEO, il y en a partout, forcément, on en trouve. Ben non, pas tant que ça. C'est des problématiques, même pour des belles et grosses agences, hein. Enfin, je pense que Sandrine, t'es bien placée aussi pour en parler, hein. Mais finalement, c'est pas si simple de recruter des profils SEO, voire web marketing, qu'aujourd'hui on est peut-être en position de force, qu'on est quand même enfin, et quand je dis on est une génération, hein, enfin, nous sommes des générations, puisque on peut être issu de différentes générations, mais en tout cas, on a quelque part un peu la possibilité de dire, mais moi, je vais choisir l'entreprise qui me convient. Et pour vous faire part d'une expérience personnelle, quand j'étais junior, il y a un moment donné, je suis rentrée dans une entreprise qui me payait extrêmement bien. J'étais junior et elle me proposait un salaire de cadre dirigeant. Enfin bon, c'était super. Mais j'apprenais rien et j'ai fait le choix, effectivement, de diviser mon salaire. Enfin, j'ai perdu 50% sur mon salaire, mais parce que je savais que l'agence où j'allais, elle allait me former. Et alors, j'ai essayé de négocier au mieux, mais j'étais toute junior et j'ai dit, mais OK, ce qui m'intéresse, en fait, ce n'est pas forcément le salaire. Ça va être qu'est-ce qu'elle va m'apporter, cette entreprise? Et aujourd'hui, effectivement, vous avez des offres d'emploi. Il faut être web analytics, enfin, il faut être data analyst, il faut être SEO, il faut être SIA, il faut parler 4 langues et pour gagner à peine plus d'un SMIC. Bon, aujourd'hui, prenez, enfin, vraiment, dans nos métiers, on a le choix. Donc, prenons le temps de se poser et surtout, au-delà de penser que ah mais j'ai pas toutes les compétences pour, penser d'abord à mais si j'accepte cette offre d'emploi, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va m'apporter à moi? Enfin, moi en tout cas, je regrette pas d'avoir fait le choix de dire bon bah ok, je prends pas le salaire, mais je prends la compétence. Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir. Alors aujourd'hui, je le ferai plus, hein. Certainement. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir fait le choix à un moment donné de rogner sur mon salaire pour gagner en compétences. Et je pense que quand on débute dans le SEO ou voire d'autres métiers, hein, du web marketing, en tout cas, c'est important de se poser la question de OK, qu'est-ce que l'entreprise peut m'apporter aussi? Et donc, et quand elle vous dit, bon, il faut faire voilà, 15 compétences, 20 compétences à la fois, bon, ben, en principe, on en utilise quoi? 3 sur 20? Bon. Ou sinon, il faut demander, OK, et quels moyens vous mettez à ma disposition? Et là, ça vous donnera une idée.
Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'on a le choix, on a la chance d'avoir un métier du coup où effectivement on peut se mettre à son compte. Déjà, il y a des métiers où voilà, consultant tout seul, c'est un peu bizarre. Mais là, le SEO, c'est complètement répandu. Enfin voilà, consultant à son compte, ça marche très bien. Et on peut aussi être éditeur de site, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà tester sur donc, le SEO, sur son propre site, l'apprendre et tout. Et après, lancer plein d'autres sites. Et du coup, en fait… On peut être ne pas avoir besoin de patron finalement et monétiser ses sites et gagner de l'argent comme ça et vivre autonome. Si effectivement les recrutements et la candidature posent souci, y a plein de gens qui au final n'ont jamais bossé en agence ou chez l'annonceur et se débrouillent très bien, ils sont contents et il faut pas se rendre malheureux là-dessus, quoi. Et je suis d'accord, il faut pas donner trop de pouvoir aussi parce que surtout les boîtes, enfin il faut se méfier des annonces où ils veulent tout et le mouton à cinq pattes et tout. Mais que derrière, au niveau salaire, ça ne suit pas. Et bah non, en fait, à un moment, tu ne peux pas être pro partout. C'est comme les gens qui veulent recruter un stagiaire, mais qui a 5 ans d'expérience. Bah non, en fait, c'est un stagiaire où il a 5 ans, ce n'est pas pareil. Et donc voilà, donc, c'est, effectivement, on a de la chance d'avoir un boulot qui permet de choisir. Donc, il faut se forcer parfois parce que certains manquent de confiance en soi, mais il faut se rappeler que non. Hein, voilà, c'est clair ce que je dis. Non, mais c'est vrai, ça, c'est important. Hein, le mouton à cinq pattes n'existe pas et le mouton à cinq pattes payé à 30K par an, il existe encore moins. Et effectivement, aujourd'hui, il faut bien se dire que sur des profils dans le marketing digital et pour peu qu'il y ait 3 ans, 4 ans d'expérience, enfin, on a le choix. Voilà, on ne peut pas accepter tout n'importe quoi et surtout il faut accepter un boulot qui n'est pas enfin une offre qui n'est pas liée au salaire mais vraiment à ce qu'elle va nous apporter de manière personnelle hein. Enfin en tout cas c'est mon avis, c'est mon parcours et je ne regrette pas de l'avoir fait. Audrey, je coupe le son et je remets le son. N'importe quoi. Je vais faire une réponse de SEO, j'ai droit ? Oui. Vous la connaissez ? Ça dépend. Ça dépend. Voilà. C'est normal. Et c'est en ça qu'on est des SEO comme les autres, n'est-ce pas ? Voilà, il fallait que je la fasse. Donc, pourquoi ça dépend ? Bah, parce que, comme le disait Diane, et aussi comme le disait Oriane, il y a plusieurs choses. Il y a l'expérience qui nous fait dire, OK, maintenant, j'ai vu plusieurs offres d'emploi et je sais un peu les décrypter. Là, on dirait qu'ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Là, c'est une boîte quand même qui sont organisés, ils sont structurés, ils ont telle et telle équipe, ils savent de quoi ils parlent. Et après, je dirais pourquoi ça dépend. Parce qu'il faut voir si dans la fiche transparaît aussi l'objectif du poste, essayer de bien se mettre à la place finalement du recruteur, essayer de voir qu'est-ce qu'on va être amené à faire et qu'est-ce qu'on va avoir réellement besoin. Parce que des fois, c'est pour se rassurer, avoir un super profil. Et du coup, au final, ils vont, comme le disait Diane tout à l'heure, avoir du mal à recruter. Donc oui, peut-être en tant que nana, mais pas forcément que en tant que nana, mais avec le peu d'expérience qu'on peut avoir, je voulais vous dire du coup qu'en fait, il est possible qu'on n'ait pas besoin d'avoir les trois. Enfin, le triptyque du SEO voudrait qu'on ait au moins trois choses qu'on sait faire pour le SEO, mais on n'est pas obligé de valider tous les points, les 10 points en question. On peut se dire, ben voilà, pour ce job-là, il m'en faut au moins 5. Parce que pour le SEO pur et dur, les 3 qui sont cités, là, j'en ai besoin. Pour communiquer avec les autres, j'ai besoin du 4e. Et pour faire mon reporting, j'ai besoin du 5e. Et les autres, ben, je ne sais plus laquelle d'entre vous en a parlé, ben, je l'annonce et je dis, je ne sais pas. Et je demande de l'aide sur le sujet. Ouais, puis, surtout, bien souvent, les recruteurs, en fait, ils comprennent rien à ton métier. Donc, ils te font une fiche de poste longue comme le bras, mais ils comprennent pas. Enfin, voilà. Les cabinets de recrutement, ouais. Après, en agence quand même, en général, enfin, ça dépend effectivement si l'agence du coup passe par un cabinet, mais. Anna, toi, tu postules à partir de combien ? Oui, je pense que ça dépend effectivement de l'objectif. Enfin, si par exemple, je voulais postuler maintenant, mon objectif, ça serait de m'améliorer dans la partie technique. Donc, je mettrais en avant peut-être les autres points importants et simplement, je dirais que j'ai envie d'apprendre
et d'améliorer la partie technique. Mais je serais complètement honnête. Je pense que je postulerais à une agence ou chez quelqu'un qui m'offre la possibilité de m'améliorer sur la technique sans me poser trop de questions. J'ai une question, Sandrine. Non, moi j'avais une diapo, moi. Non, mais je sais. Non, regarde, j'ai une jolie diapo. Mais pourquoi as-tu posé cette question? Et là, tu vas nous sortir une diapo où il y a voilà, le. Youhou. Oh là là, transition. Je ne peux pas en placer une, moi, je vous jure, c'est compliqué. Hein. Ouais, en fait, c'est un truc qui est. Il y a deux études, en fait, où en fait, les femmes ont tendance à postuler lorsqu'elles pensent. Postule avec END, ça aurait été mieux, pardon. Lorsqu'elles pensent satisfaire 100% des exigences, quand les hommes postulent à 60% des exigences. J'ai trouvé une autre étude qui dit qu'en fait, les femmes, à partir de 30% d'exigences remplies par rapport au poste, ont des chances de décrocher l'entretien. Donc, vous ne posez peut-être pas trop de questions. Et de la même façon, vous ne posez peut-être pas trop de questions non plus pour aller donner des conférences, des choses comme ça. Hein, c'était aussi un peu l'objectif. C'est aussi de se dire, arrêtez de vous poser des questions. On peut y arriver aussi facilement, quoi. Est-ce que c'est un trait féminin d'avoir beaucoup d'exigences envers soi-même ou c'est ça, là. Enfin oui, bon, statistiquement, on peut se dire que oui, mais est-ce que c'est forcément un trait féminin ou pas, à votre avis? Je dirais oui. Je pense que c'est plus féminin. C'est plus un truc que l'on se traîne de la société depuis plusieurs générations, où il faut savoir tout faire, être parfaite à 99,99% du temps. Entre 2 et 3 heures du mat, on a le droit de ne pas être au top. Mais je crois qu'il n'y a que là, en fait. C'est un peu le c'est important aussi quand même d'être au top. Pour moi, c'est un peu l'espèce de syndrome Wonder Woman qu'on nous a imposé depuis les années 60-70, où il faut être toujours au taquet partout, et que je pense que nous, on se traîne comme héritage là-dessus. Et je trouve que c'est pas mal de se dire, effectivement, on n'a pas besoin d'être à 100% pour postuler sur un poste. Et en plus, a priori, si on répond correctement à 30 ou 40% des exigences, on devrait avoir l'entretien. Donc après, effectivement, à nous de se battre et de justifier le fait que les 60% qu'on ne sait pas, on va se démerder pour trouver les solutions à ce moment-là, quoi. Donc je pense que c'est intéressant de commencer à changer un peu le prisme, de regarder un peu les choses un peu différemment et d'arrêter de se dire « je postule pas, je ne vais pas y arriver ». Et je peux pas parce que je sais pas tout, je suis pas assez technique, je suis pas assez analyste, je maîtrise pas Google Analytics sur le bout des doigts, je connais pas les regex par cœur, je sais pas dans Google Tag Manager comment on pose tel ou tel truc. Bon, au final, le jour où ça se présentera, on y arrivera, en fait, je pense. Je pense que c'est d'autant plus accentué parce qu'on a l'image que le web, c'est un métier masculin et que du coup, nous-mêmes, on se bloque, là, on se met plus la pression en se disant « il faut que je sois irréprochable, donc pour pas qu'on puisse m'attaquer, pour que j'ai l'air légitime, etc. » Alors qu'effectivement, comme tu dis, normalement, il n'y a aucun frein technique à ça, c'est une pression qu'on se met nous-mêmes. Tout comme je crois qu'il y a des stats sur les études en sciences, les bacs S et tout ça, il me semble qu'il y avait un truc genre la moyenne des femmes, enfin des filles au lycée en S est bien supérieure à la moyenne des garçons, et pourtant il y a moins de filles qui vont en bac S. Alors maintenant je crois que c'est plus S, enfin bref, mais voilà, que si c'est S mais avec des options, des machins, des trucs, voilà. Et du coup, en fait, on est mieux, mais on se juge plus durement et on se stresse, et du coup on n'y va pas. Et j'insiste sur les conférences, t'as bien fait d'en parler. Parce que du coup, il y a 2 ans, quand c'est comme ça qu'on s'est un petit peu connus à l'époque, pour le SEO Campus,
J'étais dans le comité édito et je me rappelle parfaitement cette soirée où on a discuté tous, voilà, on était en train de sélectionner nos programmes édito et nos conférences et tout, et on s'est dit, ok, et tiens, d'ailleurs, au fait, on en est où de la parité? Et on a compté, et finalement, on avait très peu de conférences filles, et en regardant, déjà dans le formulaire de proposition, je crois qu'il y avait 200 conférences proposées, il y avait, enfin, ça se comptait peut-être sur les doigts de la main, une ou de deux mains, peut-être 10, voilà, 10 conférences proposées par des femmes, et tout le reste, c'était des mecs. Et là, tu dis, bah, mince, comment on fait? Et c'est vrai que bah, malheureusement, ça se retrouve dans beaucoup d'events régulièrement. Les trois quarts, c'est des hommes qui parlent. Et ce n'est pas faute d'essayer. Mais si les femmes ne proposent pas, bah, on ne peut pas. Puis après, on ne va pas faire de discrimination positive non plus. Tu vois, faire un truc que parce que c'est une femme. Mais effectivement, il faudrait que tout le monde ait plus confiance en soi et que les femmes aient plus confiance en elles. Donc on en revient, il n'y a pas besoin de maîtriser le sujet à 100% pour aller faire une conférence. Et si on a peur des questions-réponses en disant « mais je ne vais pas savoir répondre », même quand on maîtrise un sujet, il y a des choses qu'on ne sait pas parce que c'est des choses qu'on n'a jamais rencontrées. Quoi. En SEO, si on me pose une question sur un CMS que je n'ai jamais ouvert de ma vie, bah, je ne sais pas répondre, j'en sais rien, je n'ai jamais vu. Et je ne vais pas non plus installer un site sur tous les CMS qui existent parce qu'il y en a plusieurs centaines. C'est impossible. Donc, il y a forcément un moment où, même avec des connaissances plutôt larges, je vais répondre, ça, je ne sais pas. Et à la limite, bah, je peux chercher la réponse ou on peut en discuter après la conférence. Sans que ça remette en cause nos compétences sur la thématique ou sur le sujet qu'on a abordé. Et c'est beaucoup plus honnête de reconnaître qu'on ne sait pas. Il n'y a que le sage qui sait qu'il ne sait pas. Je crois que c'est ça la citation, je ne sais plus. Mais voilà, le web, ça évolue tout le temps. Il y a des cas de figure énormes. Enfin, Google, il modifie son algorithme selon les secteurs et selon les trucs. Enfin, on ne peut pas tout savoir. Donc oui, on n'est pas des machines à savoir. Et il vaut mieux tester et dire, bah, je ne sais pas, je vais regarder, je te dis, mais je suis d'accord. Si je peux compléter sur les conférences. À la fois en tant que conférencière et qu'organisatrice d'événements, j'ai évidemment vécu la même chose que vous, c'est-à-dire t'as jamais assez de nanas. Et du coup, le premier réflexe, c'est putain, mais elles sont où? Pourquoi elles viennent pas? Et en fait, ça me fait chier parce que je me dis, mais est-ce que c'est vraiment que la faute des femmes? Est-ce que 100% des nanas ont le syndrome de l'imposteur et du coup, elles ne veulent pas y aller? Je pense que c'est un peu simpliste comme explication et je pense qu'il y a des biais hyper vicieux d'habitude. Bah, j'ai l'habitude de voir des hommes, donc en fait, c'est des hommes qui doivent postuler. Et ce n'est pas forcément du syndrome de l'imposteur, c'est en SEO, et c'est aussi pour ça qu'on a cette conf aujourd'hui, les mecs, je monte mes gros résultats, et c'est aussi pour ça qu'on en discute aujourd'hui. Et bien, malgré tout, c'est vrai que comme on n'a pas cette tendance à faire ça, bah, les hommes prennent toute la place, mais ce n'est pas leur faute. C'est juste un mécanisme naturel qui fait que les femmes s'auto-invisibilisent. Et je trouve ça terrible parce que je pense qu'on l'a toutes vécu ici. Et moi, je sais que ma première conf au SI Campus 2018, j'étais au fond du trou. J'ai changé deux fois de t-shirt tellement je transpirais. J'étais vraiment mal. Et c'est Vincent Lay à l'époque qui gérait la salle qui m'a dit « Mais non, mais Laura, mais t'inquiète, c'est OK. » Et en fait, tu sais, il suffit de trois, quatre petits mots, quelqu'un qui te donne confiance pour que tu dises « Franchement, au pire, qu'est-ce que j'ai à perdre, quoi ?» Et moi, ça m'a donné la motivation d'y aller. Et du coup, s'il y a des gens, là, notamment des femmes qui nous écoutent et qui veulent faire des confs, le meilleur moyen d'avoir envie de monter sur scène, c'est de récupérer de la confiance, donc de vous entourer de gens qui vont vous apporter cette confiance. Donc, entraînez-vous face à des gens, peut-être faites-vous coacher, ou alors trouvez quelqu'un qui fait des conférences pour qu'il vous témoigne. Moi, ce qui m'a aussi le plus rassurée, c'est d'entendre notamment des hommes, mais pas que, que j'admire et qui me disent « Mais moi, juste avant de monter, je me chie dessus. Évidemment, je suis stressée. Évidemment, j'ai peur. » Même nous toutes, avant de commencer cette conf, on était là, on est un petit peu stressées quand même. Mais en fait, c'est normal. Mais quand tu vois les gars sur scène ou les filles qui t'impressionnent, tu fais « Putain, ils gèrent. » Mais en fait, ils sont juste comme nous. Sauf que tu ne le vois pas. Ta réalité, ce n'est pas sa réalité. Donc, montons sur scène. S'il vous plaît, les femmes, montez sur scène. Parce qu'on est tous, dans le même bateau. On est tous des êtres humains. Il n'y a pas des dieux et des sous-fifres, quoi. C'est bien de le faire. Pardon, Sandrine, est-ce que tu veux?
En fait, c'était pour rajouter par rapport à ça, sur le stress avant de monter sur scène et dire on va pas y arriver. Moi, sur une conf où pareil, j'étais en panique, je suis toujours en panique, hein, normalement. 5 minutes avant, je veux plus y aller, j'essaye de trouver une excuse. Est-ce que si je me jette dans les escaliers, je pourrais éviter d'y aller? Voilà, en général, je trouve un truc, mais non. Et c'est un avocat qui faisait une conf aussi en même temps et qui m'a dit, un de mes professeurs m'a dit un jour, si avant de faire une plaidoirie, tu n'as pas le stress, change de métier. Il dit, c'est que tu ne défendras pas ton client, c'est que tu n'y crois plus et que si tu n'as pas le stress il faut vraiment que j'y arrive parce que je vais le défendre, si tu n'es pas en mesure, si tu n'as plus ce stress-là, cette panique-là, en fait, change de métier. Et je pense que c'est normal d'avoir cette espèce de panique avant de monter, parce qu'on veut bien faire et que du coup on se stresse de est-ce que je vais bien y arriver, est-ce que je vais pas dire de bêtises, est-ce que je vais pas dire de gros mots, est-ce que je vais pas sortir une aberration, est-ce que je vais pas bégayer, baver, me prendre les pieds dans le fil, etc., etc. Et c'est vraiment Mais une fois qu'on est parti, on y arrive, on respire. Mais c'est la même chose pour les acteurs quand ils vont monter sur scène, ils se mettent en stress aussi et tout le monde a ce même stress en fait d'y arriver et de faire bien. Oui, complètement. Et je crois que perso, c'était presque maladif ce truc-là chez moi, quoi. Le fait de parler devant plus de 2 personnes me semblait vraiment impossible. Et en fait, c'est un truc qu'on peut dépasser parce que les gens, ils sont là quand même. Ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là. En fait, ils ne sont pas là pour nous faire du mal. Ils ne sont pas là pour être critiques à l'extrême. Voilà quoi, la plupart du temps, les audiences, elles sont plutôt cool. C'est plutôt bienveillant et sympa. Et en fait, c'est vraiment un truc qui se dépasse, quoi. Moi, c'est un truc que j'ai réussi à dépasser. Une fois, j'avais fait une mini-formation dans un... pour des étudiants, et c'est la première fois que vraiment, c'était il n'y a pas si longtemps, ça fait il y a 3-4 ans peut-être, et c'est la première fois que je faisais un truc vraiment à l'oral devant 10 personnes comme ça, donc j'étais dans un état, mais j'étais liquide, quoi, complètement. Et puis en fait, ça s'est bien passé, parce que les gens, ils sont là pour apprendre des trucs, ils sont cool, et puis il n'y a pas de raison, puis même dans les conférences, en fait, il faut se lancer, il faut accepter de se lancer, effectivement, il faut bien s'entourer de gens... qui te booste un peu et puis faut essayer en fait, et quand on essaye on se rend compte que bon, même si on aura toujours le stress et le trac avant de le faire, on se rend compte qu'on est capable en fait d'y aller. Donc c'est dommage de se priver, parce que c'est de faire des conférences, surtout pour les filles, effectivement on est quand même moins nombreuses, et c'est aussi une manière de se mettre en avant, c'est aussi une manière de toucher une clientèle supplémentaire quand on bosse tout seul. Ça apporte plein de choses, c'est de la visibilité supplémentaire, c'est aussi une expérience personnelle hyper enrichissante parce que ça donne confiance en soi, et c'est vraiment un truc qu'il faut, enfin voilà, faut se lancer, et puis faut quand on l'a fait une fois, après on est un petit peu moins stressé, puis on se rend compte qu'on n'est pas plus nul qu'une autre ou qu'un autre, et qu'on est capable, quoi. Je sais pas qui a écrit le commentaire. Il y a 2 bons coachs qui aident avant de monter sur scène, c'est Kovan et Mathieu. Oui, Mathieu, il vous fait faire Superwoman avant de monter. Coucou Mich. Je retrouve à faire Wonder Woman ou je sais plus quel super-héros juste avant de passer. Ça fonctionne bien. Kovan, je sais pas. Mais toutes les astuces de En fait, c'est vraiment ce qu'il faut vous dire, c'est que comme pour aller postuler un emploi où avant l'entretien, on va être en stress, avant de monter sur scène, on est en stress et voilà, puis on y arrive en fait. Hein, on a tout ou presque là fait des confs et on a survécu, hein, on est encore vivante. Hein. Je pense qu'il faut surtout se concentrer avant, là, quand on a le stress, se rappeler que quand tu seras dans le feu de l'action, en fait, le stress, il est avant. Mais quand tu es dans le feu, en fait, normalement, tu es censé déconnecter et du coup, tu es passionné, tu racontes ce que tu es en train de raconter. Et en fait, tu ne te vois plus en train de tout seul devant tout le monde. Tu es juste en train de vivre ton truc et de parler de SEO et tout. Et en général, moi, je sens qu'il y a. Ouais, après, c'est comme tu passes en pilote automatique, en fait. Tu parles de SEO, donc en fait, tu n'es pas en train de faire une formation ou une conférence ou quoi. Tu es juste en train de parler de ta passion. Et alors, bon, après, il faut savoir le gérer, parce que c'est vrai que quand tu es passionné, des fois, tu parles de plus en plus vite, de plus en plus. Moi, j'avoue que parfois, je m'emballe.
Mais effectivement, il y a un moment où du coup, tu oublies ce stress parce qu'en fait, tu es dedans, quoi. Tu es dans le flow, comme on dit. Et du coup, il faut se rappeler que bah, oui, le stress, je l'ai à chaque fois, mais je vais me laisser porter après par le flow parce que voilà, c'est notre métier, c'est notre passion et en fait, c'est tout ce qui compte, quoi. Et dans le même de ce qu'a dit Laura tout à l'heure, effectivement, les hommes ont beaucoup plus tendance à mettre en avant leur réussite dans les projets, à publier des courbes sur Twitter. Et je vous avais demandé en exercice, en fait, de me parler d'une autre de vos réussites. Diane. Oui. Raconte-nous un succès. Ouais, non, mais c'est ça. Vas-y, alors, pète-toi là. c'est bon, je me la raconte là. Je suis prête. Non, parce que en plus, c'est vrai que j'ai eu un succès qui a été assez personnel et pas partagé avec mon entreprise. Mais encore une fois, mon entreprise à l'époque. Hein, mais encore une fois, c'est pas histoire de dire est-ce que c'est parce que je suis une femme ou parce que eux étaient des hommes. C'est plus une alchimie qui n'a pas pris entre nous deux. Mais sinon, encore une fois, je rappelle, moi, je suis rentrée dans le SEO, j'étais standardiste et c'est quand même deux hommes qui m'ont donné ma chance. Et aujourd'hui, je suis là 13 ans plus tard à vous en parler. Donc, c'est vraiment pas le débat est-ce que c'est des hommes ou est-ce que c'est parce que je suis une femme. Mais effectivement, j'ai eu une expérience professionnelle assez singulière, hein, une de mes dernières expériences professionnelles qui fait que ça m'a peut-être convaincue de dire oui, effectivement, c'est le moment de monter ton agence. Ça me travaillait. Je pense que ça a continué ça a accéléré les choses. Effectivement, j'ai certaines réussites ou alors attends du coup je fais quoi je partage mes courbes allez vas-y allez je vous montre mes courbes alors attends parce que du coup je suis pas hyper attends moi tu sais les manips du coup je te hop je prends est-ce que c'est bon normalement je sais pas si normalement ça devrait être bon partager et là normalement ça devrait être bon sauf que moi je vois plus mes slides mais ça pour ceux qui me connaissent vous savez que de temps en temps j'ai du mal avec la synchro mais ça a l'air de fonctionner à peu près hein. Voilà, ça, je vous en parlerai après. Mais donc, voilà, juste pour vous montrer, en fait, moi, je suis arrivée dans une entreprise où c'était, finalement, il y avait, je crois pas que c'est une question de sexe, de genre, mais plutôt un problème d'ouverture d'esprit. Et effectivement, je suis arrivée dans un contexte. Donc, moi, je suis arrivée en octobre 2018 hein, dans cette entreprise. Et pendant un an, je constatais des courbes flat. Là, on voit les sessions SEO. Hein, il ne se passe absolument rien. Donc, un peu une frustration parce que moi, je sais que je peux faire quelque chose hein, pour ça. Mais en tout cas, pendant un an, j'ai eu énormément de difficultés à dire « Ah, je suis en mode présentateur là. » Bon, c'est pas très grave non plus. En tout cas, j'ai une grosse difficulté à dire « Bon, allez, on va faire évoluer les choses » ou en tout cas, « Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Laissez-moi mettre en prod ce que je souhaite mettre en prod. » L'année d'après, donc là, on voit, hein, on est 2019-2020. Effectivement, là, bon, il y a quand même on tire la sonnette d'alarme. Bon, avant, le SEO était flat, mais là, il est quand même en train de en termes de session, il est en train de régresser copieusement. Alors, effectivement, on est sur des grosses volumétries, hein, comme vous voyez, puisque vous avez la petite échelle hein, qui est là à gauche. Donc, il n'y a pas des écarts, enfin les courbes n'ont pas d'écart énorme, mais en tout cas, en termes de volumétrie, ça l'est, puisqu'on est sur à chaque fois sur une échelle qui se chiffre en centaines de milliers de sessions. Et finalement, avril 2020, là, on me laisse corriger les choses.
Effectivement, on voit bien qu'on est passé vraiment d'une décroissance à une croissance. Donc là, pourquoi ce pic, hein? Vous le voyez, mon curseur? Oui. Ouais. Donc là, pourquoi un pic en mai 2020, 2020? Tout simplement parce que on est encore en période de confinement. Donc, du coup, il y avait eu un arrêt des campagnes publicitaires. Donc, un pic plus important que sur les mois qui ont suivi. Mais globalement, j'avais masqué les chiffres, mais ce n'est pas très grave non plus. En tout cas, on voit bien que la volumétrie, au moins, ça permet d'avoir un vrai aperçu. On voit bien que Ça la permet de se volumétrie. la péter. Ouais, merci Sandrine. Ça permet de se la péter. Donc, on voit bien que en termes de CA, en fait, on arrive sur quelque chose de tout de suite impactant, malgré des sessions qui sont finalement pas. Enfin, voilà, un plus 5%. En revanche, si on isole vraiment la période où les recos ont été mis en place, alors oui, on est vraiment sur plus. Pourquoi j'ai mis 26? Ah oui, parce que j'ai pris nouveau utilisateur. On arrive à plus 25% de session avec un CA qui est à plus 38%. Donc, encore une fois, on est sur des grosses volumétries, puisque là, en termes de CA, vous le voyez, l'échelle, hein, elle est à 500 000 et 1 million. Donc, on est sur des grosses volumétries. Donc, moi, j'étais plutôt contente. C'est une performance qui est passée inaperçue. Ce n'est pas parce que c'était des hommes, c'est simplement parce que c'était une entreprise qui n'avait peut-être pas les compétences, hein, pour évaluer tout ça. Mais d'un point de vue personnel, moi, c'est quelque chose dont j'ai été très satisfaite parce que j'avais fait voilà, un petit audit, j'avais identifié le problème, j'étais convaincue que le problème était tel. Et effectivement, quand on a pu le corriger, ça a été immédiat, puisqu'on n'était pas dans de la reco SEO qui allait se construire sur le long terme. On était vraiment sur corriger un frein technique en particulier. Et donc, finalement, ça a été, y a eu un résultat assez immédiat. Et effectivement, ça, dans mes dernières expériences, ça fait partie de mes petites satisfactions personnelles, on va dire, et des satisfactions à quelques millions d'euros. Donc, j'étais contente. Voilà. Donc, et ça, pour les dernières en date, et après, sinon, bah, en termes de challenge, je dirais que mon plus gros challenge aujourd'hui, bah, c'est le fait que je monte mon agence et bah, je me souhaite toute la réussite possible. Mais en tout cas, ça fait partie en tout cas des chantiers qui sont importants, mais avec lesquels je fonce, hein. Voilà. Nickel. Oriane? Alors, pour parler de réussite, c'est de mon côté, c'est quelque chose qui touche à la fois le professionnel et le personnel et qui remonte aux années où j'ai commencé en fait dans le web. En fait, à cette période-là, donc je sortais d'une formation qui n'avait pas donné grand-chose et puis. La problématique que j'avais à ce moment-là, c'était une problématique de santé en fait, parce que j'ai une maladie chronique qui a pris beaucoup de place pendant plusieurs années et qui surtout me permettait pas forcément de travailler en présentiel en fait dans une entreprise, quoi. Donc, bien évidemment, le jour où quelqu'un, bon, là, c'est toujours une histoire d'opportunité aussi, hein, c'est quelqu'un qui m'a un jour un peu propulsé en me disant voilà pourquoi tu ferais pas ça, moi j'ai un ou deux contacts à te donner donc bah, essaye quoi. Et le but au départ c'était d'éviter de tout perdre quoi, parce que j'étais arrivée à un stade où c'était très compliqué pour moi de retrouver du boulot parce que mon état de santé me le permettait pas forcément. Et effectivement, le jour où on me propose de au départ arrondir mes fins de mois avec un boulot que je pouvais faire depuis chez moi avec mon ordinateur et puis avec finalement des compétences surtout dans l'écriture, bah, j'ai sauté sur l'occasion quoi. Et ce qui m'a rendu fière, c'est d'avoir réussi en quelques mois. En fait, je me suis accrochée quoi, à ça. Quand on m'a proposé cette opportunité, je me suis accrochée, mais tellement fort que pendant les premières années, je n'ai pas pris un jour de congé, je n'ai pas pris un week-end.
Je bossais du matin au soir, je me suis accrochée, et en fait, dès le second mois, j'ai fait suffisamment de chiffre d'affaires pour que ça devienne un salaire, quoi. Je crois que j'ai dégagé 2000 euros de chiffre d'affaires le second mois avec la rédaction. Et à l'époque, ça va vous faire marrer, mais j'étais à 1,30€ les 100 mots. Donc, il fallait en faire des lignes pour y arriver. Bon, bah après, voilà, mes tarifs ont quand même évolué. Mais au démarrage, c'était ça, quoi. C'était de me dire que je suis partie de rien. Et puis peut-être même d'un petit peu plus loin que rien, parce que c'était vraiment très compliqué. J'étais malade tout le temps. Donc, j'étais très, très handicapée par la situation. Et en fait, d'avoir réussi... Bah, monter, même si c'est une entreprise individuelle, bah, pour moi, c'est quand même une fierté, parce que je n'étais pas du tout voie à ça, ce n'était pas prévu, ça s'est fait comme ça très rapidement, et puis je me suis tellement jetée sur le truc que ça a marché, quoi. Et donc, c'est ça, c'est, en fait, s'il y a une morale, c'est quand on nous propose une opportunité, il ne faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Parce que parfois, ça peut changer complètement une vie. Moi, ça m'a changé la vie complètement, quoi. Je ne sais pas à quoi je me destinais. Je n'étais pas partie sur la bonne pente, en tout cas. Et là, ben, voilà, l'avantage, c'est que ça m'a permis de maintenir aussi un niveau de vie qui était confortable pour moi et qui me permettait aussi de me soigner à côté, puis qui me permettait d'aménager mon planning pour quand j'étais pas suffisamment bien pour travailler. Et tout ça, c'est génial, quoi. Donc, il faut y croire, et puis il faut... il faut se bagarrer, parce que ça vaut le coup, et peu importe, t'es femme et pas femme, et tout ça, je crois qu'il faut pas se poser la question, en fait, et qu'il faut simplement y aller, quoi. Et voilà. Julie. Ben moi, du coup, pareil, je vais pas revenir sur des cours. Moi, j'ai pas pris de capture analytics ou de choses comme ça, ou de chiffres. Ma plus belle victoire à moi, c'est quand, il y a quelques années, j'ai quand même enfin réussi à rentrer en agence. Parce qu'il faut savoir, en fait, que j'ai eu de la chance depuis mon début de carrière, donc pas que dans le web, avant, depuis mon BTS, je bosse depuis mes 20 ans, en fait, et j'avais jamais galéré à trouver un boulot. Soit c'était beaucoup de chance, soit c'était peut-être voilà, le destin ou je ne sais quoi. Mais quand je voulais un boulot, finalement, en un ou deux mois à chaque fois, je trouvais un truc nickel. Et donc, j'avais toujours suivi mon petit bonhomme de chemin sans me poser trop de questions. Jusqu'à cette étape-là où effectivement, après avoir fait... Parce que ceux qui me connaissent savent que je suis un peu... je bouge, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'être passionnée. Et quand je stagne un petit peu dans un poste, je pars, parce que moi, j'ai besoin de faire des nouvelles choses et d'avancer, quoi. Et donc, j'ai changé pas mal de fois de boîte. Et donc, j'avais fait plusieurs annonceurs. J'ai fait aussi indépendant plusieurs fois, parce que une fois, je m'étais spécialisée sur l'e-commerce, une fois sur le développement. Voilà, je teste, j'apprends, je creuse. Et donc, j'avais jamais eu de trous dans ma carrière ou de blocage dans ma carrière jusqu'à il y a quelques années où effectivement, après avoir fait plusieurs annonceurs, plusieurs indépendants, et après m'être dit je veux aller en agence maintenant, c'est mon challenge, je fantasmais un peu sur les agences en mode les agences, ils doivent être trop forts, ils sont spécialisés dans quelque chose, ils font que du SEO, ils doivent avoir des outils de fou. Donc chez l'annonceur, en fait, j'étais complexée par les agences, je me disais je veux aller en agence et tout. Donc, je me dis, OK, j'y vais. Et là, grosse claque dans ma tête. Pendant 6 mois, impossible de rentrer en agence. J'ai passé plein d'entretiens. J'arrivais jusqu'à numéro 2. Il restait, en fait, ça m'est arrivé 3 fois d'affilée. Tu fais tous les entretiens, tu arrives, il n'y a plus que 2 personnes. Et en fait, on te dit, je suis désolée. En fait, on t'adore et tout, t'es cool. Mais l'autre candidat, il a déjà été en agence. Donc, on est sûr que lui, il sait bosser en agence. Toi, il y a toujours un doute. En plus, tu as l'air passionné, un peu perfectionniste, donc il y a des chances que tu tiques un peu, et c'est vrai que je peux comprendre, hein, après avoir vécu, des fois en agence, tu dis « j'aimerais bien aller plus loin, j'ai pas le temps », ou le client n'a pas le budget, ou « non, Julie, c'est pas ton périmètre, reste dans ton périmètre ». Donc je peux comprendre, mais avec le recul, je comprends mieux, mais c'est vrai qu'à l'époque, mon Dieu, que ça a été difficile pour moi psychologiquement d'être bloquée pendant plusieurs mois sur les recrutements, de me dire mais qu'est-ce que je fais, je vais jamais aller en agence, c'est pas possible, et c'était vraiment très très dur, et finalement, il y a une agence qui m'a donné ma chance, et en fait, tout s'est débloqué, rentrer en agence, effectivement, c'est une gymnastique différente.
Mais c'est super enrichissant. Tu as l'avantage d'avoir des collègues passionnés comme toi du web. Et ça, c'est un bonheur. Parce qu'avant, chez l'annonceur, j'étais chez un petit annonceur, j'étais la seule à faire du web marketing. Et tous les autres, quand je discutais avec mes collègues, bah, j'avais l'impression d'être voilà, la seule à parler chinois de web, etc. Et là, dans une agence, bah oui, tous tes collègues sont passionnés. Tu peux brainstormer, tu peux rebondir. C'est super enrichissant. Et du coup, ça m'a vraiment fait du bien à l'estime de moi. Voilà. Et même professionnellement, on parlait de la confiance en soi. Bah, du coup, c'était la dernière étape qui me manquait. Et jusque-là, à cette époque-là, quand je n'y arrivais pas, je me disais, mais ce n'est pas possible, je suis vraiment une sous-merde et tout, je ne rentrerai jamais en agence et c'est l'enfer. Et ben non, ça va beaucoup mieux. donc voilà. Donc, en tout cas, ça, c'était mon petit succès, et du coup, j'espère vraiment partager, en fait, pour ceux qui sont peut-être dans le même cas que j'étais à l'époque, il faut insister, il faut argumenter, il faut prouver que oui, je sais m'adapter, donnez-moi la chance, et si on vous donne la chance, vous verrez que ouais, c'est cool, quoi. Voilà. Audrey ? Alors, de mon côté, moi, je voulais vous parler du début, finalement, au moment où je suis devenue SEO, comme je vous l'ai raconté un peu tout à l'heure. Du coup, il faut se replonger, ça date d'il y a longtemps, 2007. Donc, en 2007, je me dis qu'il y a pas mal de news sur le SEO qui sont sympas et je participe de plus en plus à divers forums. À l'époque, c'est plus les forums. Twitter est pas loin. On commence à prendre tout doucement, je crois que c'est ça, hein, c'est en 2007, ça commence à prendre. Et du coup, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa pour participer? Un blog, bon, oui, d'accord, mais quoi d'autre? Et là, c'est l'époque où, je pense, on commençait à parler des podcasts. Et du coup, je me dis, tiens, je tenterai bien l'aventure parce que le SEO, ouais, j'aime bien, mais j'aime bien aussi la sécurité, j'aime bien le développement, ok, toutes ces choses techniques. Comment on peut rassembler ça dans un truc qui pourrait plaire à tout le monde? Et en fait, à ce moment-là, je suis encore et toujours sur le même forum, hein, WebRank Info. Et en off, en fait, on avait un petit coin. À l'époque, c'était IRC, hein, donc les chats de l'époque. Et on avait ceux qui étaient les plus assidus qui traînaient par là. Et je me souviens, à l'époque, c'était un des modérateurs qui était aussi, comment on appelle ça, administrateur, je crois, sur Demos, un vieux annuaire. Voilà, qui me dit, vas-y, je me sens pas de faire tout seul une émission qu'on est en train de me proposer sur une web radio. Alors déjà, c'était quoi une web radio à l'époque? Pour moi, c'était tout à fait nouveau. Et on me propose ça, ça serait trop dommage de pas le faire, mais je le ferai pas tout seul. Est-ce que tu le fais avec moi? Je veux dire, prendre la parole devant tout le monde, bon, d'accord, mais si t'es là, quoi. Et puis, ça sera pas moi qui ferai, enfin voilà, comme on disait tout à l'heure, hein, on a du mal à se dire qu'on va faire ça tout seul. Et puis, du coup, on a discuté de qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans l'émission, de combien, de le format, en fait. Et au final, il a laissé tomber. Je me suis retrouvée toute seule. Du coup, j'étais engagée dans ce que j'avais fait. Et comme pas mal d'entre nous ici, quand tu as commencé un truc, bah, tu essaies de le finir. Et du coup, le challenge que c'était, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est quand même une de mes plus grandes fiertés, parce que qu'est-ce que j'ai galéré? Vous parliez tout à l'heure de stress et tout ça, mais alors... Je le vois des fois dans... Alors, pour ceux qui veulent se former, une petite pub au passage, mais quand je vois Trikaya, comment il fait Fred, du coup, son live, avec tout le monde sur le chat qui lui parle, trois endroits où il diffuse, entre YouTube, Twitch, enfin bref, et Facebook, enfin, c'est quand même assez compliqué de se concentrer. Toutes celles ici qui sont passées, pardon... sur le live pourront en témoigner. Et du coup, à l'époque, il y a un peu cet univers-là. C'était pour vous faire une analogie. Et en même temps, je dois m'acheter une table de mixage. Je ne sais pas ce que c'est qu'une table de mixage. Je dois m'acheter les bons câbles, je dois m'acheter un micro. Choisir un micro à l'époque, c'était quand même assez compliqué. Et au final, il y a deux écrans. Donc déjà, gérer les deux écrans, avec d'un côté Skype et les chroniqueurs et les intervenants qu'on va avoir en live. Et de l'autre côté, le logiciel pour gérer le machin, sachant qu'on est sur une radio, donc il faut respecter les timings, le top horaire, les musiques, etc. Donc, en dehors de tout ça, ça c'est la partie technique dont on se moque un peu, c'est juste pour vous faire le... Ben, il y a le contenu du podcast. Donc, c'est une fois par semaine, ça revient très vite, une fois par semaine.
et il faut pouvoir faire une chronique assez, assez étoffée pour rendre ça intéressant. Donc du coup, à l'époque, le site n'existe plus, hein. Je me souviens qu'il était journaliste là-bas, c'était Jérôme Bouteiller à l'époque. Et il y avait un site qu'on regardait souvent, c'était pas CNews, non, pas à l'époque, c'était un truc avec news dedans, je me souviens plus. Et du coup, je prenais pas mal de news là-dedans, je faisais sa veille là-dessus. Et après, il fallait un sujet de fond, donc on prenait comme on fait là à l'heure actuelle, hein, on se contactait entre nous et du coup, on passait notre temps à se dire, voilà, est-ce que tu veux pas faire une chronique, etc., un par semaine, exactement ce que fait aujourd'hui Fred. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, parce que le premier invité que j'ai eu, c'était donc David De Grel, qui est plus dans l'univers SEO, mais à l'époque, c'était un des pères, je dirais, de la matière. Et c'est lui qui a eu l'idée de parler, pour le premier volet de l'émission, de parler de l'échec des associations. Et en fait, il parlait de... Alors, j'ai oublié le SEMPO. Je ne sais plus. Il y en avait une autre. Enfin, une autre avec référencement dedans. Et voilà, toutes ces associations, pourquoi elles avaient marché ou pas. Enfin, ce n'est pas le débat. Mais du coup, le fait d'en parler et qu'il venait à m'expliquer ça, moi, je ne connaissais pas encore vraiment le référencement. J'avais juste le regard, comme disait Julie, de la passionnée. J'étais là en mode, est-ce que ça va marcher? Et en fait, du coup... Pardon pour le bruit. Du coup, c'était juste pour vous dire que ça m'a permis de discuter de ça avec David. Et c'est là que Alexandre Villeneuve a entendu ce podcast. Donc, j'étais super contente parce que lui, il a eu le courage de se dire, bon, allez, est-ce qu'on crée l'assaut? Et la suite, ben, vous ne la connaissez peut-être pas, mais on y avait un événement à Paris, Porte de Versailles, je crois que c'était le salon du marketing. Et on s'est retrouvés tous là-bas en train de dire, est-ce que... Je ne sais plus si c'était le salon du marketing, c'était un event marketing. Est-ce qu'on ne créerait pas l'asso? Et là, tout le monde a levé la main en mode oui. Alors à l'époque, il y avait Philippe Lyonnais, il y avait David Durand-Pichard, il y avait l'équipe de Yoda, Romain et Lionel, il y en avait plein. Sandrine, je ne sais plus si tu étais là, mais on s'est vu juste après, parce qu'après, on a généré l'Assemblée Générale, la toute première du SO au camp. Et voilà, tout ça parce que j'ai dit oui un jour, en fait, à un truc que je pensais ne jamais pouvoir faire. Je dis ok, allez, vas-y, on fait un podcast, j'y connais rien, mais c'est pas grave. Et je peux vous assurer que au tout début, c'était « Ouais, ton son, il est pourri. Ouais, mais franchement, on t'entend pas. Et puis c'est trop dommage parce que ça a l'air intéressant, mais franchement, voilà. » Voilà, donc vous en voulez une dose de stress, et je peux vous dire que ça, c'était ardu. Et donc, c'est la création du SEO Camp, et ça, c'est énorme. C'est bien que tu... Oui, un peu avant. Enfin, c'est pas moi qui ai fait ça, parce que finalement, tu vois, c'est le concours de circonstances. C'est-à-dire David qui se dit, bon, allez, j'en ai marre d'avoir ramé pour tout ce que j'ai fait pour les précédentes assos. Faut que j'en parle parce que je trouve ça trop dommage qu'on puisse pas... À l'époque, un des premiers exemples qu'il a donné, je me souviens, tu sais, l'exemple SEO de base. Je me demande si Sandrine, en local, t'en as pas parlé. Mais tu sais, c'était genre, oui, bonjour, je voudrais être premier sur voiture. Mais pourquoi faire? Est-ce que t'es un concessionnaire? Est-ce que t'es... garagiste, est-ce que tu veux vendre ton auto? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux être premier sur voiture? Et l'exemple qu'il avait donné, même moi à l'époque, j'avais pas pensé à donner cet exemple. Tu vois, c'était encore, c'était en mode passionné, gourou, et puis lui il parle de ça. Et j'étais là, c'est intéressant quand même. Et j'étais trop contente d'avoir déniché le gars qui est arrivé à rendre le SEO intéressant et qui allait peut-être générer d'autres vocations derrière. Juste ça, c'était ma grande fierté parce que je voulais pas être la seule à avoir trouvé. Cette passion et je voulais la partager. Et il y a pas mal de gens aujourd'hui sur le web, comme j'en parlais tout à l'heure de Fred, mais nous toutes ici présentes aussi, où on a à cœur de transmettre cette passion-là. Et je pense que c'est ça notre plus grande réussite, en fait. Oui. C'est vrai, hein? Ouais. Que ce soit les events, regarde Laura quand elle parle dans les lives et qu'elle dit voilà, moi je viens du marketing, je connaissais pas le SEO. Bah, ma foi, quand tu vois ce que tu fais, Laura, mais chapeau quoi. Et derrière, après, tu prépares un event, donc du coup, pour faire connaître le référencement à d'autres personnes. Sandrine, elle monte un event pareil à Toulouse, tout le monde veut en être parce que c'est trop cool et en même temps, on apprend des choses. Je veux dire, vous voyez, je m'arrête parce que ça prendrait des heures. Mais du coup, ça, c'est très important pour nous toutes, en tout cas en tant que nana, parce que ça nous redonne confiance. Et on se dit, voilà, tu as un modèle ou quelque chose où tu te dis, ben, cette personne-là, ben oui, au début, elle s'est vautrée, et alors, ça ne l'a pas empêché de réussir. Donc, c'est top. Nickel. Anna?
Merci. Et, alors, une réussite. Moi, je n'ai pas de courbes ou des chiffres à vous montrer. J'ai pensé plutôt à toujours à partir de cette expérience de Planet Cards. Et pour contextualiser la chose, Sandrine part et je me retrouve toute seule face à des gens qui s'imaginent un peu que le SEO vient et ruiner les plans et les super idées de tout le monde. Enfin, c'est comme ça que, en tout cas, que je me suis sentie. Et j'étais vraiment bloquée à chaque fois par... Enfin, je le suis toujours, mais en tout cas, la question qui s'est posée, ou je pense que ça s'est fait de façon naturelle, c'était d'essayer de communiquer, enfin, de parler SEO. Enfin, même si j'ai pas une énorme expérience, mais d'essayer de faire comprendre à tout le monde quelle est la logique derrière, pourquoi on peut pas faire ça, pourquoi il faut essayer d'écouter et intégrer le SEO dans toutes les démarches du site. Et donc lors des pauses café, petit déjeuner, enfin pas petit déjeuner, déjeuner. Et je pense que je suis parfois très agaçante parce que je parle en entreprise que du SEO. Mais je commence, enfin, c'est très, enfin, c'est, enfin, je pense que c'est une réussite parce que je commence à voir dans l'entreprise des gens qui commencent aussi à s'approprier du vocabulaire. Enfin, moi, je dépends de tout le monde. Enfin, je peux malheureusement, enfin, en tout cas chez l'annonceur, j'ai très peu de marge des manœuvres. Enfin, heureusement, Sandrine nous a appris quand même à faire pas mal de choses, mais on dépend énormément des développeurs et de tout le monde. Mais j'ai commencé à voir des gens. Oui, on a réussi à mettre en place les avis, les méta, les rich snippets. Enfin, c'est le responsable e-commerce qui dit qu'il l'a fait. Enfin, je suis très contente parce qu'il s'est vraiment approprié du sujet et tout le monde commence vraiment à comprendre un peu les bases du référencement. Et je pense que c'est... Enfin, je lutte. En tout cas, j'essaye de faire comprendre qu'on essaye de m'intégrer, en tout cas, dans toutes les démarches. J'essayais aussi de mettre en place tous les vendredis comme une sorte de presse pour apprendre en fait quelques notions de SEO à tout le monde. Bon, maintenant ça s'est arrêté parce que l'entreprise on a eu une baisse du chiffre d'affaires à cause de la pandémie, donc on a eu un peu le taux horaire qui s'est réduit, donc je peux plus, enfin on n'a plus le temps pour communiquer un peu autour de ces choses, mais je pense que c'est vraiment super important j'essaye en tout cas au lieu de parler voilà on va le faire pour le SEO, on va peut-être le faire, il faut penser utilisateur par exemple, pour ne pas dire c'est le SEO qui vient à chaque fois dire non, enfin c'est donc mais pour l'instant, je pense que ça, c'est pas gagné, mais en tout cas, ça commence à marcher. Je suis vraiment contente parce que les gens, ils commencent à écouter un petit peu plus et à intégrer le SEO dans leur plan. Donc ça, c'était du côté de parler SEO et que personne, qu'on ne pense pas que c'est toujours un truc un peu obscur. Et voilà, comme réussite. Enfin, je suis contente en tout cas. C'est le principal. C'est le principal de réussir à effectivement à chez l'annonceur, c'est le plus compliqué, hein, c'est de leur expliquer que on n'est pas juste là pour les empêcher de tourner en rond. On va essayer de mettre on met des choses en place et pour avoir plus de trafic, plus de et au final plus de chiffre d'affaires et plus de confort pour tout le monde, quoi. Et c'est souvent on arrive un peu en mode cheveux sur la soupe, en mode oui, mais alors non, en fait, j'aime bien votre truc, mais non. Oui. J'aime bien, mais non.
Mais c'est ça, cette image-là, qu'il faut peut-être essayer de... Non, non, enfin, on n'est pas le mauvais qui vient... Enfin, c'est une bonne idée, mais non. Non, il faut peut-être... C'est pas pour le SEO, c'est peut-être réfléchissez à l'utilisateur. Enfin, je sais pas, c'est pas... C'est un mauvais rôle, je trouve. En tout cas, chez Planète Carte, c'est un peu comme ça. Je ne sais pas si partout, chez l'annonceur, c'est comme ça, mais... En agence ouais. aussi, hein, des fois, les conflits avec les développeurs ou les graphistes, quand tu dis « Ah ben non, mais là, j'ai pas du tout de texte sur ma page. Ah, c'est joli, mais j'ai besoin de rajouter du texte, j'ai besoin de rajouter des titres. » Mais ouais. oui, effectivement, c'est le SEO, c'est compliqué. Il faut vraiment bien... nouer des bonnes relations avec ses collègues et les autres services et leur faire comprendre et les embarquer. C'est vachement bien si dans ta boîte tu arrives petit à petit à leur faire comprendre l'intérêt du truc, quoi. Effectivement, on n'est pas que des rabat-joie et que des relous, en fait. Il faut se faire ses clés et des alliés. C'est pas pour vous embêter, mais Ça, c'est des choses qu'on apprend aussi avec l'expérience. C'est comment tu fais la réunion marketing où, pendant qu'ils sont en train de t'expliquer qu'ils vont t'enlever tout le texte parce que c'est plus joli et que c'est à la mode en ce moment, comment tu vas pouvoir leur dire gentiment n'y comptez même pas. Oui. C'est bon. En fait, ça s'apprend. Mais c'est vrai que les premières réunions, tu la regardes, tu fais non, pas possible. Et ça va au fight. Et puis après, petit à petit, tu apprends à dire non. Non, on va trouver une autre solution. Et puis c'est le « on va trouver une autre solution » qui fait que tu as gagné en expérience et que c'est plus facile de dialoguer. Mais les premières années, ouais, tu arrives en mode « on va m'enlever le texte, ils sont fous, hein, je leur encaille quoi, moi, deux images et un demi-lien, ils sont fous. » Mais c'est… voilà. Et bien écoutez, si vous voulez, je vous pose une dernière question et après on peut peut-être traiter quelques questions s'il y a eu des questions que Marine pourra nous remonter, on en a traité une ou deux en passant. La dernière que je vous pose, c'est on a parlé de son, parce que je crois que tout le monde ne s'est pas exprimé sur ta question. Non, tu m'as oublié, Sandrine. Pardon, excuse-moi, je croyais que c'était toi qui avais commencé. On n'a pas eu Sandrine non plus. Hein. On n'a pas eu Sandrine non plus. Oui. M'emmerder. Depuis tout à l'heure, elle passe là. Tu sais, discrètement, à chaque fois, j'essaye de me la faire, c'est tranquille. Tu vois. Laura, ouais, je suis désolée, pardon, je t'ai oubliée. Non, c'est pas grave, mais on voit bien que tu essaies de te faufiler, c'est marrant. Personne ne te laisse passer. Je vois, oui. Je m'en fous, j'ai préparé une belle courbe. Ben moi j'ai pas de courbe non plus et c'est un ça va être assez rapide, c'est pas un projet récent, ça aurait pu, parce que je dois avouer que je suis assez fière de mes dernières confs notamment et j'ai failli ressortir ça, mais non, c'est un projet qui date de 2012. Et pour replacer dans le contexte, j'ai fini mes études en 2010, j'ai repris une année d'alternance en 2011 où j'ai commencé donc chez Synaudience, et 2012 je viens de signer mon CDI. Et mon boss me dit, on a un grand compte où on fait juste du suivi, du reporting qu'on est en train de perdre. Le client n'est pas content. T'as 3 mois pour remonter la barre et que le client soit content, quoi. Et il me dit, le client, c'est Peugeot. Je me dis, t'es mignon, mais je viens de signer mon CDI quand même. Il me dit, si, t'inquiète pas, ça va le faire. OK, on y va. Donc évidemment, comme tout ce qu'on disait tout à l'heure avant les confs, t'y vas, tu te chies dessus. Et agréable surprise, je suis tombée sur 2 femmes. Est-ce que ça a joué? Je ne sais pas, mais on s'est bien entendu. Et en fait, un projet de 3 mois où on devait redresser la barre, où on était en gros sur 20 000 euros de chiffre d'affaires pour l'agence, ça a fini en projet de 2 ans avec un chiffre d'affaires de 250 000 euros à l'année. C'était un des plus gros clients de l'agence. On faisait 5 millions à l'époque, donc c'était 5% du chiffre. On était 3 sur le sujet, alors qu'à la base, j'étais toute seule, ça me prenait un jour par semaine. Au final, j'allais 3 jours par semaine là-bas. J'ai géré, en fait, je faisais la coordination internationale du SEO sur les 15 pays, sur les 15 plus gros pays et 5 sites par pays. Donc, en fait, un truc monstrueux. Mais mon boss ne m'avait pas dit ça. Du coup, avant d'y aller, je me suis dit, oui, c'est juste des audits. Et en fait, non, pas du tout. Et ça a été la meilleure expérience de ma vie.
Déjà parce que j'allais à Paris, moi la petite nantaise, parce que j'étais chez Peugeot et je peux dire aujourd'hui, j'ai géré pendant 2 ans le SEO de Peugeot International, quoi. Et je suis assez fière de ça, surtout le parcours. Et en plus, il faut se dire qu'en 2012, on partait de très loin, c'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas premiers sur le nom de leur véhicule. Donc, première étape, c'était ça. Et en plus, tu prends l'Autriche à qui j'apprends Google Analytics et à côté, tu as les Pays-Bas où ils sont en train de faire de l'optimisation de taux de conversion. Donc, en fait, c'était un projet monstrueux, tentaculaire, où il fallait faire de la montée en compétences, de l'évangélisation. En plus, quand tu es dans un grand groupe, bah, tu dois faire du lobby et de la politique. Et puis, si avec le N+1, ça ne va pas, bah, tu vas voir le N+2. Donc, c'était hyper enrichissant. Les résultats étaient là et c'était un contrat qui se renouvelait tous les 6 mois. Donc, on a renouvelé 4 fois et à chaque fois, on multipliait le budget, on l'augmentait de 20%. Et donc, on est parti de « on n'est pas visible sur Peugeot 107 » à « tout le monde attaque un plan d'action que sur les mots-clés hors marque ». Alors oui, évidemment, vous allez me dire « c'est Peugeot, c'est facile ». Oui, mais on partait de très loin et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et ça m'a donné confiance en la suite, ça m'a… Je ne sais pas si vous faites ça des fois, mais je pars de là où je suis aujourd'hui, puis je reviens en arrière pour essayer de comprendre pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Et bien, ça a joué. Parce que de fil en aiguille, voilà, c'est ça qui m'a amené à là où je suis aujourd'hui. Donc, c'est une énorme fierté, déjà pour avoir bossé pour une marque comme ça, pour être sûre que ce n'était pas ce que je voulais faire aujourd'hui, même si c'était génial. Et parce qu'on a eu des résultats incroyables et que j'ai pu payer une grosse partie des meubles de mon premier appartement grâce à la jolie prime que j'ai eue sur cette mission. Donc, voilà. Ma petite fierté. Sandrine ? Oh, comment je peux me planquer ? Il n'y a pas moyen. Bon, allez, moi, je vous ai juste préparé une courbe. Parce que pas forcément. Alors, si je dis que j'ai pas grand-chose à dire, je vais me faire engueuler. Des réussites, ouais, j'en ai eu plein. Je suis plutôt fière en fait d'avoir boosté des gens autour de moi, d'avoir voilà donné confiance à Anna par exemple, à avoir formé des gens, à Oriane, à leur fait monter, à lui avoir fait des confs, à Madeleine, à plein de gens que j'ai boosté après, à Diane aussi, voilà. Parce que moi, quelqu'un m'avait un jour poussé, parce que quelqu'un m'avait déjà poussé moi une fois et j'ai trouvé qu'effectivement ça valait le coup d'y aller. Même si c'est la blague récurrente, oui, je dis toujours que je ne suis pas technique parce que tant que je ne serai pas développée depuis une page blanche, je dirais que je ne serai pas technique. Donc, ça, c'est mon truc à moi. Ensuite, en termes de résultats, je ne vais pas dire en général, j'ai de bons résultats. Globalement, si, je m'en sors quand même plutôt pas mal. Un des trucs, je pense, que je préfère faire, c'est surtout les levées de pénalité et remonter un site quand il s'est un peu effondré. Et là, je vous en montre un. Voilà, donc on l'a récupéré au mois de septembre. Il tombe, on le récupère. Ils mettent en place les précos et ça se passe bien. Voilà, ça, c'est rigolo à faire. Ça, j'aime bien. C'est pas... Dès qu'ils nous écoutent, en fait, c'est sympa. Ça fait monter les trucs. Ça monte bien. On remonte le site. Et il remonte un peu au-dessus de ce qu'ils faisaient avant. Voilà, ça, c'est pas mal. Jolie courbe, hein ? Ouais, t'as vu ça un peu ? Ça, c'est du gros bonnet. Bravo. Ouais, c'est très sympa. Merci pour toutes, pour nous toutes, enfin pour en tout cas toutes celles qui sont concernées par ce que tu disais, mais effectivement, tu as motivé quand même un paquet de filles à sortir un peu de l'ombre aussi, et puis à accepter de s'exposer plus, et puis à arrêter de penser qu'on est des imposteurs, quoi, pour certaines, même si c'est pas général. Bon. Voilà. Merci à toi. Ouais, non, mais c'est vrai, je rejoins complètement Oriane, parce que pour la petite anecdote, hein, quand même, moi, Sandrine, ça a été une des premières clientes quand j'ai travaillé en agence. Alors, effectivement, elle m'impressionnait un peu, parce que c'était la cliente, j'étais l'agence. Elle me faisait un peu peur. Bon,
Aujourd'hui, elle me fait toujours peur, mais plus pour les mêmes raisons. En tout cas, non, mais ça a été super de justement d'être confrontée. J'étais toute junior, hein, et pour moi, ça a été super en fait d'être confrontée finalement à quelqu'un que je connaissais pas personnellement, mais de réputation, qui avait quand même un level réputé. Ça m'a mis un peu le coup de pied aux fesses pour me dire ma poulette, c'est toi l'agence, c'est la cliente, va falloir y aller, même si j'étais pas sereine à chaque fois que j'avais la petite invite dans l'agenda. Mais de fil en aiguille, c'est vrai qu'on arrive à prendre en confiance, et puis ça veut pas dire qu'on peut pas se manquer sur tel ou tel point, mais c'est peut-être que nous, en tant que femmes, on se manque et on en fait un drame. Et finalement, en fait, des mecs qui se plantent et qui n'en parlent pas, croyez-moi, il y en a beaucoup plus que ce que vous pensez, quoi. Quand vous connaissez leur site ou autre et que vous regardez dans certains outils de positionnement, vous voyez qu'ils se sont plantés, mais par contre, ils ne l'ont pas dit. Hein. Voilà. C'est ça. Allez, dernière question, et puis on fera quelques questions-réponses, et puis on va arrêter après, parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent qu'on ait un métier, une vie. Des gens, ils en ont marre de nous écouter. Alors je vois des commentaires, Dimitri, ouais, Apollo aussi, SEO. On a plein que j'ai. J'ai fait plein de bébés référenceurs qui sont devenus des grands référenceurs après. Donc c'est rigolo. Oui, c'est vrai. En tout cas, ça mérite d'être souligné, Sandrine. Tu le dis avec une certaine humilité parce que tu es une femme. Mais je pense que ça mérite quand même d'être souligné que tu as… Dimitri a cité Apollo SEO. Hein, je pense que ça mérite d'être souligné que quand il t'a rencontré, il n'était pas SEO, il était développeur. Enfin… En formation développeur. Il était marketeur plutôt, Polo. Il avait plutôt un profil de marketeur. Ça fait partie des gens qui ont quand même une belle carrière dans le SEO. Je ne citerai pas les marques pour lesquelles il a travaillé, ne sachant pas si on peut le dire ou non. Mais on peut se féliciter. Hein, et en ce jour du 8 mars, Sandrine, je te félicite. Après, c'est le côté facile quand tu donnes des cours. En fait, en donnant des cours, déjà, quand tu en as qui étaient… Et puis, je suis passionnée. Donc, quand tu tombes sur quelqu'un qui accroche, tu as tendance à l'embarquer avec toi et à l'emmener et à l'aider à avancer. Donc, ça a été le cas avec Polo. Et puis, souvent, c'est ce que j'ai fait aussi avec Anna, avec Elodie, avec Lise. Ça a été de les traîner dans les soirées SEO. Ah, pas peur, les filles, ça va bien se passer. Vous allez voir, elles sont gentilles. Mais aussi pour qu'elles rencontrent du monde, pour qu'elles discutent avec d'autres gens, qu'elles voient d'autres façons de faire, qu'elles écoutent des confs et qu'elles prennent des contacts dans le métier pour continuer à évoluer en disant au moins, je connais les gens. Quand je vais les voir passer sur Twitter ou dans des confs, je les connais, j'ai déjà discuté avec eux. Ça donne une proximité, ça donne aussi une légitimité à les contacter quand on a besoin sur un point ou sur un autre, ce qu'on ne se permettrait peut-être pas si on ne les a jamais vus en vrai. Donc voilà, à chaque fois que j'ai eu des élèves qui étaient qui kiffaient le SEO, j'ai essayé de les embarquer un peu plus loin avec moi et que ce soit plus sympa pour eux, quoi. Voilà. Donc bon, voilà, ma contribution au SEO. Des filles. Et s'il y a des… SEO en devenir, hein, qui nous écoute, effectivement, n'ayez pas peur de participer aux events, de vous faire un réseau. Parfois, il y a un peu de troll, c'est vrai, mais globalement, on est quand même moi, j'ai trouvé un côté bienveillant dans cette communauté. J'ai même trouvé un conjoint dans cette communauté. Confirme, hein, c'est les événements, ça fait vraiment la différence. Il ne faut pas hésiter à y aller. Il ne faut pas hésiter aussi à aller voir les gens que vous avez pu voir en conférence. Hein. On est souvent un verre à la main en train de faire les andouilles, hein, mais on reste tout le monde genre non, non, si, si. Mais en général, on est quand même… En tout cas, je pense toutes très abordables et facile à discuter. Et,
voilà, y compris même dans nos messages privés, par mail ou quoi que ce soit, vous pouvez toutes nous contacter pour qu'on essaye de vous aider, de vous marrainer sur une soirée si vous n'osez pas y aller toute seule, dans les villes où on est, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux compléter, la nature des SEO, vous allez me dire si je me trompe, est tellement curieuse que notre particularité, c'est que si on te met une problématique sous le nez, alors que tu as bu un ou deux verres, tu as envie de la résoudre. Et j'ai déjà passé des heures, je pense à Jérôme Ibanez, qui m'a dit « Putain, je galère là-dessus. » »« Ah ouais, c'est quoi ?» Et tu passes 2 heures dessus, alors que tu pourrais ne pas le faire. C'est du taf, tu vois. Donc, tu viens avec ton petit site, tu fais « Ah ben moi, je fais ça, machin. » Tu peux accrocher les gens avec ça parce qu'il faut qu'on soit curieux dans notre boulot. Et donc, tu peux avoir une discussion boulot dans un cercle détendu avec des SEO. Ouais. Et combien on en a résolu des problèmes autour d'un verre, combien on a inventé de concepts pourris autour d'un verre. On parlait des entretiens d'embauche, hein, j'ai envie de dire. Oui, vous aussi. On a peut-être même négocié des backlinks. On a négocié des backlinks, on a tout fait dans les soirées, je pense. Devant un verre, ouais, on a négocié des backlinks. Je pense qu'il y a eu des rachats de sites, il y a eu des entretiens d'embauche, il y a eu des embauches, il y a eu tout dans les soirées. Donc, il ne faut pas hésiter à venir. Bon, je la pose ma dernière question ou vous en foutez, en fait. Oui. Allez. Vas-y, bon, allez. Avantage ou inconvénient d'être une femme dans le SEO? Ni l'un ni l'autre. Pareil qu'Oriane. Soit tu tombes sur des cons ou des connes. soit sinon, non, ça n'a pas d'impact. Personnellement, ma dernière expérience professionnelle a été très douloureuse. OK, il y avait beaucoup d'hommes, mais je pense que ce n'était pas ça leur problème. Et sinon, tous les gens qui m'ont donné ma chance en SEO, même quand j'y connaissais rien, où on m'a recruté, je ne savais même pas ce que c'était qu'une redirection 301, bah, c'est des mecs. Donc, je dirais, non, ça dépend des personnes sur qui tu tombes. C'est une question d'individu. Hein. Après, un garçon, fille, comme on se disait en off, des fois, c'est même plus des filles qui te mettent les bâtons dans les roues que des garçons, finalement. Donc, je crois que c'est juste humain, hein, c'est tout. Quoi. C'est, après, on est peut-être... Enfin, de toute façon, par nature, on ne peut pas dire que les femmes et les hommes sont égaux parce qu'ils ne le sont pas. On a des différences. Déjà, on a une différence génétique déjà, donc voilà quoi, hein, c'est comme ça. Et peut-être que chacun apporte sa pierre à l'édifice d'une manière différente, mais c'est une question d'individu quoi. Après, moi j'ai pas eu de plus ou de moins à être une femme dans le milieu du web, j'ai pas eu de mais oui, c'est vrai pour les belles coupes. Diane, mais non, je ne crois pas que ce soit ni un avantage ni un inconvénient. Après, c'est chacun aussi. Je crois que les femmes, je crois que des fois, il ne faut pas chercher non plus des problèmes là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que parfois, on peut aussi se dévaloriser toute seule parce qu'on est des femmes et puis s'amuser un peu de ça et puis parfois se plaindre un peu de ça, alors que finalement, dans les expériences très concrètes, moi, j'ai eu autant de difficultés avec des femmes qu'avec des hommes dans ma vie professionnelle, que ce soit dans le web ou ailleurs. Donc, bon, je crois qu'il faut aussi s'imposer comme on est, en fait. Hein. Faut pas chercher au-delà de ça, quoi. C'est la liberté, les libertés qu'on a, il faut pas attendre qu'on nous les donne, en fait. Il faut les prendre, hein. Parce que personne ne va le faire à notre place, quoi. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Oriane. Et du coup, je ne me suis jamais posé cette question, Sandrine. Donc, je dirais que voilà, tu me la poses maintenant avec vous. Donc, comme quoi, ça, est-ce que ça compte? Je ne crois pas. C'était plutôt court. Anna? C'est pas très original, mais je suis du même avis. Enfin, jusque-là, en tout cas, je n'ai pas eu à me poser cette question. Enfin, je ne ressens pas qu'il y a un avantage ou un... Ou le contraire, si on est une femme ou un mec. Julie? Eh ben moi, je vais peut-être aller à contre-courant. Attention. Clash. Non, en fait, moi, je suis d'accord sur le côté,
Ben voilà, le SEO, c'est le SEO. En fait, Google, il s'en fout qu'on soit un mec ou une fille. Il nous fera ranker pareil ou pas ranker pareil. Après, avec mes clients, j'ai la chance, j'ai jamais eu de problème de sexisme en mode oh, non, elle sait pas ce qu'elle dit, c'est une fille, machin. Donc là, c'est cool. Après, enfin, c'est cool, il n'y a pas eu de soucis. Mais je trouve que d'être une fille dans un milieu de mecs, d'un côté, c'est sympa quand même. Parce que du coup, déjà, on est dans une niche, en fait. On est sur une niche de SEO. On est des filles, pas pareil. Parce que de temps en temps, tu peux jouer les cervelets et dire « Oh, j'arrive pas à faire ça, zut !» Et il y a des mecs qui sont très contents de venir t'aider ou qui vont te… Moi, je me rappelle, avec mes... quand j'étais chez l'annonceur, les deux développeurs qu'on avait recrutés pour gérer le site et tout, bah, franchement, c'était très facile de leur demander « Ah, tu peux m'aider, j'arrive pas à faire ça ah !» Et ça passait. Donc, il faut, voilà, faut profiter aussi de certains avantages des fois. Mais j'ai, heureusement, je n'ai jamais eu de soucis par rapport à voilà, du sexisme pur et dur. Donc, voilà, donc, je pense que le SEO, c'est un métier tout à fait valable pour les femmes. Il n'y a pas de soucis et c'est plutôt cool même. Ouais, pour compléter un petit peu ce que dit Julie, je suis plutôt de l'avis... global, c'est-à-dire avantage ou inconvénient, non, il y a des différences, c'est sûr. Tu te fais payer des coûts en événement. Franchement, ça, c'est le gros avantage. désolée, mais je vous vois tous acquiescer. Tu te fais payer des coûts, tu te fais rincer. Donc, vous voulez voir gratuit Non, il y en a qui sont gentlemen quand même. Non, c'est bien. Franchement, moi, je n'ai pas payé beaucoup de coûts en soirée. Donc, Laura, c'est mort. La prochaine event des CEO, on va tout. Il n'y en a pas une qui va se faire offrir un verre. Voilà, on est toutes grillées. Merde. On disait rien, tu vois. On dit non, mais t'inquiète pas, ils sont sous, ils s'en souviendront pas. vivement dans 10 minutes sur Twitter. Pardon, Ryan, je t'ai coupé. Excuse-moi, je te parle en tant que toi, mais on apprécie. Hein. De toute façon, on ne dit pas que c'est mauvais, on ne dit pas que c'est. Donc, on est très contents. Il faut continuer, c'est une très bonne chose. Donc, non, je voulais faire une blague. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Audrey et ce que je vois dans le chat avec David. En fait, on avance. Je veux dire, parfois, on est confronté au sexisme, c'est chiant. Parfois, on ne l'est pas. Bah, ce n'est pas parce qu'on ne l'est pas que c'est mieux, c'est juste la norme. Je pense que toutes les huit, on avance et on met des œillères quand on subit un moment difficile parce qu'on est une femme. Et en fait, ce n'est pas ça qui va faire qu'on va arrêter d'avancer, quoi. Et évidemment, je ne sous-estime pas des traumatismes qui peuvent être profonds, mais tu avances. On a la chance d'être dans un métier qui n'est pas particulièrement masculin, pas particulièrement féminin et où, en effet, notre genre ne va pas jouer sur nos compétences. Donc, on avance, quoi. Après, moi, je rebondis sur ce que dit Laura, juste un dernier mot que j'avais justement trouvé assez juste. Hein. Donc, récemment, il y a eu une conférence organisée par Links Garden, qui est une plateforme d'achat de liens, sur laquelle il y a eu un débat sur la parité, parce qu'on n'était que deux femmes par rapport à quatre hommes. Bon, après, on ne représente pas non plus les plus hautes institutions du gouvernement, donc bon, globalement, ça me paraissait pas très grave. Par contre, il y a Adrien Lal, qui est un confrère SEO hein, de la région niçoise, qui dit mettre la parité sur un nombre, ça, la femme, la nana se posera toujours la question, est-ce qu'elle est invitée parce que c'est une femme ou est-ce qu'elle est invitée pour ses compétences? Et j'ai trouvé que cette phrase, elle était hyper juste. Parce que je vous avoue que je m'étais posé la question. Et en moi plus... aussi, Diane, moi aussi, je me suis posé la question. et en plus, moi, j'ai eu un petit problème technique qui fait que ça n'a pas été ma meilleure conférence. Donc, bon, l'un dans l'autre. Et donc, du coup, et c'est là où on dit, mais c'est pas grave, hein, voilà, moi, bon, ça reste pas un bon souvenir. C'est une conférence où j'ai l'impression un peu de me foirer, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, deux semaines plus tard, je faisais une conférence à CMrush. Et l'idée, c'est de se dire, bon, OK, non, je n'ai pas été invitée là que parce que je suis une femme. Mais en tout cas, c'est vrai de dire, on ne va pas crier à la parité. Quelque part, on est technique ou pas technique comme Sandrine. Mais en tout cas, voilà, on a des choses à dire, on reste des professionnels comme les autres et c'est ça qu'il faut retenir, quoi. Donc,
Encore une fois, hein, si parfois vous vous posez la question, est-ce que oui ou non, j'ai envie d'intervenir dans une conf, mais faites-le une fois, vous allez stresser. La prochaine fois, vous allez encore stresser, celle d'après encore, encore. Mais ce n'est pas grave parce que ça leur arrive aussi aux mecs. Mais forcément, ils te le disent moins. Yeah. Ouais, moi j'aurais été plus un peu plus tranchée que vous. Globalement, moi je dirais que c'est un avantage d'être une femme dans le SEO aujourd'hui, notamment parce qu'on a la chance qu'il n'y en ait pas tant que ça finalement. Donc on a encore ce petit côté exotique presque, et donc du coup on a toujours je pense globalement beaucoup de bienveillance. Il y aura toujours des crétins des îles sexistes qui vous insulteront, qui estimeront que comme ils ont une paire de couilles, ils sont plus compétents que vous. Bon, effectivement, comme l'a dit Julie, je crois, Google s'en fout un peu du référenceur et du sexe du référenceur qu'il y a derrière. Mais en tout cas, ouais, je pense que globalement, ça peut être... c'est encore, je pense, plutôt un avantage d'être une femme... Et oui, pour répondre à David, oui, on met des œillères quand il y en a qui chouinent parce qu'on est des femmes. Ça fait bien longtemps qu'on les écoute plus. Si on s'offusquait à chaque fois qu'on entend une réflexion sexiste, on ferait que ça. Oui, et puis c'est pas hyper intéressant. Puis c'est pas, enfin, ça sert à rien de s'arrêter sur ce genre de choses. Il y aura toujours des connards et des connasses hein, pour tout et pour n'importe quoi. Donc bon, bah, je crois que ça vaut pas le coup de s'attarder là-dessus. Moins on en parle et moins on s'y attarde. Et moins on leur donne d'importance et mieux on se sent. Plus ils arrêtent, voilà. Ouais, globalement, c'est vrai que finalement, je trouve qu'on a le droit à un peu plus de bienveillance. Enfin, on est moins l'objet des trolls. Un mec qui se plante en conférence, bon, tu sais que sur les réseaux et notamment Twitter, bon, ça va être sa fête. Une nana qui se plante en conf, ça va, on va lui dire c'est pas grave. Donc, avantage, inconvénient, je ne sais pas, mais en tout cas, en termes d'efficacité professionnelle, c'est comme partout. Si tu es, j'ai envie de dire, si tu es bonne, tu es bonne. Et puis, si tu es moins bon, tu es moins bon. Mais non, voilà, j'espère en tout cas que ça aura motivé un certain nombre de nanas à se dire allez, on tente, on prend la parole, et puis surtout à se valoriser un peu soi-même. Voilà. On est les seuls à pouvoir le faire, hein, se valoriser. Il faut savoir aussi, même si on n'a pas confiance en soi, des fois, il faut savoir faire semblant suffisamment pour prendre un petit peu de place et pour prendre la place qu'on estime mériter, si on mérite quoi que ce soit. Mais voilà, hein, y a que soi, hein, y a que soi-même hein, qui peut le faire. Donc, il ne faut pas l'attendre des autres et il ne faut pas l'attendre de quoi que ce soit, hein, finalement. Donc, avançons, hein, comme disait Laura, on avance. Et puis voilà. Hein. C'est pas mal. Marine, est-ce que tu as relevé des questions qu'on n'aurait pas fait attention ou sur YouTube ou... Eh bien, vous avez répondu en fait avec toutes vos prises de parole. D'ailleurs, merci beaucoup pour ce webinaire, vous avez été super. Et vous avez répondu aux questions qui ont été posées via Zoom et via YouTube, puisque ça se rejoignait à peu près les types de questions. On aurait éventuellement une question. Qu'est-ce que vous pensez des groupes business qui se montent et qui sont consacrés uniquement aux femmes, en fait, qui sont réservés uniquement aux femmes? Moi, contre. Contre, on peut pas aller chercher de la parité, on peut pas aller chercher de l'anti, lutter contre le sexisme en se refermant sur nous-mêmes et en virant les hommes. C'est plutôt en travaillant ensemble qu'on va avancer dans le bon sens. Si on commence à se cloisonner et à se séparer, pour moi, c'est contre-productif. En tout cas, c'est mon opinion. Complètement d'accord. Entièrement d'accord. D'accord.
les groupes vraiment purement on n'est que des nanas, encore une fois, ça rejoint un peu on est là pourquoi? Parce qu'on est des nanas, ou on est là parce qu'en fait on est des professionnels compétents. Pareil, les groupes que de nanas, c'est pas trop mon truc, quoi. Moi, je serais pas aussi tranchée. Je trouve que ça apporte, voilà, de toute façon, il en faut pour tous les goûts. Et je pense qu'il y a des femmes qui ont besoin de, tu sais, c'est comme les salles de sport qui sont dédiées aux femmes. Il y en a qui ont besoin de ça pour se sentir bien et s'épanouir suffisamment. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts et que c'est une niche comme une autre, tout comme il y aurait un truc dédié aux gens de Nantes, ou un truc dédié aux Blacks, ou un truc dédié voilà, à toute minorité, entre guillemets. Et du coup, non, moi, ça ne me choque pas tant que ça. Faut pas faire que ça. Faut pas cracher. Tu vois, il y a des féministes qui, effectivement, du coup, détestent les hommes. Mais non, en fait, c'est qu'il y en a pour tous les trucs. Et puis... Si ça peut mettre en valeur certaines femmes, leur donner confiance, et puis après, du coup, qu'elles prennent la place dans les trucs classiques, génériques, bah, tant mieux. Hein. En fait, je ne voudrais pas qu'on leur donne un modèle de... pour que tu y arrives... j'ai peur que ce soit un peu faussé que de faire croire que ça va être ça, son quotidien, tu vois. Je ne sais pas si c'est donner une bonne image à quelqu'un qui veut démarrer, de se dire, démarrons contre femmes. Et parce que ça sous-entend que les hommes, c'est les méchants, et que du coup, tu seras plus à l'aise avec des femmes, alors qu'il y a plein d'hommes qui sont des alliés, tu vois. Mais j'entends ton propos, hein. Mais je trouve que c'est... Alors, pour le coup, là, on est sur des maxi-œillères, quoi. C'est je veux pas voir les hommes, je suis pas prête pour voir les hommes, et je veux d'abord évoluer dans un milieu de femmes avant de faire face aux hommes. Alors que pour le coup, ce qu'on disait tout à l'heure, on est quand même dans un milieu... assez bienveillant malgré tout. Ça va, mais on n'est pas dans tous les groupes privés, et heureusement, et ça nous va très bien. Mais je trouve ça un peu dommage d'avoir. Je trouve ça un peu dommage. Moi aussi. Je trouve ça dommage qu'il y a des choses sympas à apprendre chez les femmes comme chez les hommes. Et il y a des hommes qui sont tellement sympas, bienveillants, et justement, même pour être mise en confiance des fois de passer par le sexe opposé, il y a des arguments qui sont différents ou des attitudes qui peuvent vachement aider. Et c'est bien de prendre de tout le monde. Effectivement, c'est pas très représentatif d'être entouré que de filles, parce que c'est pas un milieu typiquement féminin. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi, Laura. Et pour conclure, du coup, puisqu'après toutes les autres questions, vous y avez répondu pendant le live. Si vous aviez un dernier mot pour la fin, vraiment un conseil aux futurs SEO qui sont actuellement en formation, alors femmes ou hommes, hein, mais vraiment un conseil à leur donner pour se lancer dans ce métier-là. Allez, je commence comme ça, ce sera consensuel. Monte ton site web. Yes. J'ai pris la réponse facile, hein, vous m'excusez. On peut copier. Monte ton site web. Pratiquer, parce que de toute façon, ça change tout le temps. Donc, lire, ça ne sert à rien, ça change. Il faut tester, il faut pas rester sur ses acquis, parce que Google, il change tout le temps. Donc, un truc qui marchait il y a 2 ans peut ne pas marcher. Un truc qui marche dans un secteur, dans l'autre, ça ne marche pas. Donc, il faut tester, il faut y aller. Puis, saisir les opportunités, je pense. Pas se penser... pas assez bon pour saisir une opportunité ou une autre, parce qu'une opportunité, elle passe qu'une fois, elle repasse pas. Il vaut mieux la saisir et se planter, et puis quitte à s'améliorer après, plutôt que de l'avoir passé et que quelqu'un d'autre en profite et le regrette après. Donc je pense qu'il faut, quand ça se présente, il faut prendre ce qui est là, parce que tant qu'on est dans l'action, en fait, on va vers quelque chose. C'est quand on est immobile qu'il se passe rien. Donc même quitte à faire des erreurs, il vaut mieux attraper ce qui passe et ce qui est là sur le moment, et puis foncer. Et puis après, on verra quoi. Après, on se débrouille toujours, on bricole toujours, on trouve toujours une solution, mais il ne faut pas avoir peur. Et même quand on n'a pas confiance en soi, et même tout ça, il faut y aller quoi. Moi, je dirais oser. Oser, enfin, j'étais standardiste, j'ai entendu qu'il y avait un poste de marketing responsable, marketing communication qui s'ouvrait. J'ai dit, moi, je vais leur dire que ce poste, je le veux, et je l'ai eu. Bon, c'était il y a 13 ans, mais je l'ai fait. Et pour la petite anecdote, en ce moment, je donne des formations dans un organisme de formation privée. Et aujourd'hui, j'ai une de mes stagiaires qui m'envoie un message avec une offre d'emploi en lien. Elle me dit,
je crois que j'ai quand même envie de postuler parce que je ne me démonte pas. Et même si peut-être je n'ai pas toute l'expérience requise, j'ai une grande motivation et j'ai des soft skills. Donc, je vais tester. Bah, honnêtement, elle m'a fait plaisir quand elle m'a envoyé ce message parce que j'ai dit, mais c'est ça quoi, vas-y, fonce. Elle m'a demandé mon avis. Bah, mon avis, c'était un mot, fonce. Voilà. Merci Diane. Anna ? Et je suis en fait d'avis, enfin, comme vous les filles, je pense qu'il ne faut pas trop se poser des questions. Enfin, je le dis déjà par expérience personnelle. De base, je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions avant de faire. Est-ce que si je fais ça, je pense que, en tout cas pour le SEO, il faut tester, faire le site. Son site internet et si on teste, ben, on ne voit pas de résultats, on n'avance pas, il faut vraiment tester. Audrey, je crois que tu n'as pas pris la parole. Oui, bon, moi c'est un mix de tout ça. Hein. Faut rester curieux, être toujours dans dans cette curiosité avec le test, quoi, de façon à justement saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous. Je pense que c'est bien le résumé. De tout ça. Rien de plus à ajouter. Eh ben, merci à toutes. Je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire si vous n'avez rien à ajouter d'autre. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont regardées aujourd'hui. Donc, pour rappel, le replay sera disponible aux adhérents de l'association sur la SEO Camp TV dès demain. Merci encore. Julie, est-ce que tu as un mot avant de clôturer ? Eh bien, si vous n'êtes pas encore adhérent, devenez adhérent. Un petit passage pub. Je suis contente qu'on ait fait ça au niveau du SEO Camp. C'est une thématique qui me tient à cœur. Et puis, effectivement, dans le SEO, ça revient régulièrement. Les femmes et le SEO, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je trouve que c'est très bien, effectivement. On a pu parler plein de choses, on a rencontré un peu plus précisément et eu des anecdotes des lancements de certaines personnes bien connues et on ne savait pas forcément ce qui se passait au début de leur carrière. Donc c'est cool. Franchement, je suis contente et merci à toutes les filles. Et, c'était un bon moment. On a bien dépassé par contre, hein, 30 minutes. Oui, bon. Mais c'est cool. Mais c'est pas grave, on a le temps, on s'en fout. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai vraiment passé un bon moment avec chacune d'entre vous et un certain avec qui je n'avais pas forcément eu plus l'occasion de discuter que ça. J'espère que ce sera l'occasion de refaire ça en dehors d'un écran. Peut-être en vrai, si un jour... Avec un verre. En vrai, un jour, premier. Oui. Alors, ce serait cool, mais en tout cas, merci. Merci à tout le monde. C'était vraiment chouette. Ouais, voilà, bah moi je vais aller faire la vaisselle. Ah bah bravo. J'ai mon linge à pendre et tout. Oh là là. Non, je plaisante, c'est pas moi qui le fais. On a vu passer avec un petit. On a vu Laurent passer en soubrette. C'est vrai que ça manquait la petite jupette quand même, Laurent. Ouais, la prochaine fois, je lui ai dit tu mets ton kilt. Avec rien dessous. Non, mais en tout cas, voilà, j'espère que toutes les filles qui ont participé ou celles qui participeront en replay, j'espère que voilà, on vous a donné un peu la niaque pour y aller et puis sortir un peu de ce côté ah ouais, j'ose pas quoi, parce qu'en fait, on est toutes passées par la case j'ose pas. Elle sert à rien cette case là. Elle est pourrie. Si vous pouvez aller à la case suivante, sautez là. Voilà. Voilà, merci Sandrine en tout cas pour l'orga. Merci Marine, Julie aussi, et puis bon, à toutes les conférencières évidemment, mais voilà, c'était cool de pouvoir partager notre expérience de filles. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Salut.